Nous ouvrons nos Bibles dans les livres du prophète Isaïe. We shall open our Bible in the book of the prophet Isaiah. Isaïe chapitre 61. Isaiah chapter 61. Nous commençons au verset premier. Starting from the first verse. La Bible dit. Bible says. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good things unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Dans la vraie traduction, in a true translation, verset 2 là, année de grâce, c'est ce qu'on appelle l'année de jubilé. The year of grace is that what which we call the year of jubilee. C'est l'année que Dieu donna à Israël dans Lévitique chapitre 25. It's the year which God gave to Israel in Leviticus chapter 25. Qui arrivait dans chaque 50 ans. And which was happening each et après Lévitique là, ce qu'il dit un jour de vengeance dans la vraie traduction, c'est d'apporter les jugements aux nations. In the day of vengeance, in the true tradition or translation, he said to bring judgment to the nation. C'est la prophétie concernant le Messie lui-même. It's the prophecy concerning the Messiah himself. Vous croyez à ça? Do you believe that? Et quand le Messie vient, and when the Messiah comes, dans Luc chapitre 4, in Luke chapter 4, nous commençons au verset 16. We start from verse 16. Remarquez ici, la Bible dit, now you notice here the Bible il s'est says, rendu à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue et les jours du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Luke chapter 4, verse 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for the read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. Un roi. First King. Chapitre 19. Chapter 19. Voyons ici qu'Élie, après qu'il a fait tous les miracles, il a restauré l'autel. Now we see here Elijah, after he did all the miracles, he restored the altar. Et il était poursuivi par Jézabel. And he was being followed by Jezebel. Il a fui, Élie a fui dans le désert. And Elijah ran away to the wilderness. Et le Seigneur lui donne sa dernière commission. And then the Lord gives unto him his last commission. Et prenons le verset 15. Let us take the verse 15. L'Éternel dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abénameola, pour prophète à ta place.
Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, dont la bouche ne l'a point baisé. 1 Kings chapter 19, verse 15. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shall thou anoint to be king over Israel. And Elisha the son of Japheth of Abel Meloah shall thou anoint to be prophet in thy room. And it shall come to pass that him that escaped the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escaped from the sword of Jehu shall Elijah slay. Yet I have left me even 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which has not kissed him. Deux Rois chapitre 8. Second Kings chapter 8. Nous voyons la continuité de cette commission là. We're seeing the continuation of that commission. Lisons quelques versets ici. Let us read a few verses here. Le verset 11. Verse 11. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazael. Ici on parle d'Élisée. Yet he's speaking about Elijah. Le fixa longtemps puis il pleura. Hazael dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée des jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazael dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ces chiens, pour faire de si grandes choses? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. 2 Kings chapter 8 verse 11. And he settled his countenance steadfastly until he was ashamed, and the man of God wept. And Hazael said, why wept my lord? And he answered, because I know the evil that thou wilt do unto the children of Israel. Their stronghold wilt thou set on fire, and their young men wilt thou slay with the sword, and wilt dash their children, and rid up their women with child. And Hazael said, but what is thy servant, a dog, that he should do these great things? And Elijah answered, the Lord has showed me that thou shalt be king over Syria. La dernière écriture, 2 Rois chapitre 9. The last scripture, 2 Kings chapter 9. La continuité de la même commission. The continuation of the same commission. Nous lisons le verset premier. The first verse. La Bible dit, the Bible says, Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères. Tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu reprendras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je te oins, roi d'Israël, et tu poursuivras la porte. Tu n'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth de Galade. Sautons ici dans le verset 11. Let us jump to the verse 11. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va bien, pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Voyez-vous, ce jeune homme ici, on l'appelait comme un fou. Il pensait que c'est un fou, mais alors que c'était un homme loin. Jéhu lui répondit, vous connaissez bien l'homme, ce qu'il peut dire. Mais il répliquait, mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle manière, disant, ainsi dit le Seigneur, je te oins, roi d'Israël. Amen. And Elijah the prophet called one of the children of the prophet, and said unto him, gird up thy loins, and take this box of oil in thine hand, and go to Ramoth Gilead, and when thou comest thither, look out there Jehu the son of Josaphat, the son of Nimshi, and go in and make him arise up from among his brethren, and carry him to an inner chamber. Then take the box of oil and pour it on his head, and say, thus said the Lord, I have anointed thee
king over Israel, then open the door and flee and tarry not. So the young man, even the young man, the prophet, went to the Ramoth Gilead. And when he came, behold, the captain of the hosts were sitting. And he said, I have an errand to thee. And the captain and Jew said unto which of all of us? And he said to thee, O captain. And jump to the verse 15. Then 11. Then Jehu came forth to the servant of his lord, and one had unto him is all well. Wherefore came this mad fellow to thee? And he said unto them, he know the man and his communion. And they said, it is false. Tell us now. And he said, thou and thus spake he to me, saying, thus said the Lord, I have anointed thee king over Israel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. May God bless the reading of his word. Prions. Let us pray. Seigneur notre Dieu, Lord our God, avec le livre ouvert devant nous, Père, with the open book before us, laisse que de la même manière qu'Esaïe avait prophétisé sur toi, Isaiah prophesied, et l'onction spéciale est venue sur toi, and a special anointing came upon tu as dit qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. And you say, today this scripture de la même manière que tu avais oint William Branham ton prophète, the same manner you anointed your prophet William Branham, à l'onction de la plénitude, by the anointing of the fullness. Et le Seigneur il a dit la même chose. And he said the same thing. Aujourd'hui, l'écriture est accomplie, Père. Today, the scripture is fulfilled. Seigneur, viens encore par une onction spéciale. Lord, come again by a special anointing. Pour me oindre, moi qui parle. To anoint me speaking. Me oindre, mon interprète. Anoint my interpreter. Me oindre, mes frères et sœurs qui écoutent. Anoint my brother and sister. Me oindre, ceux qui nous suivent, Seigneur. And anoint us as a follower. Et qui nous suivront, Seigneur, à and la will télévision. Follow us over partout, the tes channel. Enfants attendront cette bande. Wherever they'll be watching this. Et place. La même onction vienne sur tout, the Seigneur. Same anointing comes. Pour accomplir chaque écriture. To fulfill each scripture que tu as prédestiné pour chacun de nous. You predestined for each. Bénis cette parole, Seigneur. Bless this word, Father. Oint cela pour nous, Seigneur. Anoint it for us. Dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Gloire à Dieu, man. Glory to God. Mon sujet de ce matin, now my subject this morning, je l'intitule aujourd'hui cette écriture est accomplie. I will entitle it today this scripture is fulfilled. Et mon inspiration, and my inspiration, 50 ans après le départ du prophète, 50 years after the departure of the prophet, Joseph prend la place de son père comme pasteur du Branham Tabernacle. Joseph took the place of his father as pastor of Branham Tabernacle. Quelqu'un peut penser que qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Somebody may think and say, what does this have to do with us? Mais frère Branham dit que quand Dieu accomplit l'écriture, but Brother Branham says, when God fulfills a scripture, c'est un grand événement pour l'histoire de la rédemption toujours. It's always a great event for the story of redemption. Les non prédestinés ne peuvent jamais le voir. The unpredestinated will not be able to see that. Mais les prédestinés le verront. But the predestinated one shall see. Parce que see. Quand Dieu accomplit l'écriture dans votre jour, because when God fulfills a scripture in your days, il y a une onction spéciale qui se dégage sur cette écriture. There is a special anointing that comes out from that scripture. Remarquez ici, nous voyons que Esaïe avait donné la prophétie. Now we notice here that Isaiah gave a prophecy. 400 ans avant que le Seigneur puisse venir. 400 years before the Lord cometh. Esaïe a écrit ici, il a dit. Isaiah wrote here and said, l'Esprit du Seigneur m'a oint. The Spirit of the Lord is upon me. Pour apporter l'année de grâce et de jubilé. To bring the year of grace and jubilee. Esaïe se réfère ici à Lévitique chapitre 25. Isaiah here refers himself to Leviticus 25. Une loi que Dieu avait donnée à Israël. A law which God gave to Israel. Et quand vous entrerez dans le pays. That when you shall get into the land. Cette loi s'appliquait que dans le pays. That law was only applied when you are into chacun the land. Chacun de vous aura son héritage. That each one of you will have inheritance. Et vous serez un peuple libre. And you will have a free people. Vous ne serez esclave de personne. You will be slave of nobody. Mais vous servirez Dieu. But he shall serve God. Mais il arrivera que. But it will come to pass that. Peut-être quelqu'un avait vendu son héritage. Perhaps a person has sold away his inheritance. Ou il a perdu ça par un péché qu'il avait commis. Or lost it by a sin that one had committed. Ou il est devenu esclave de son frère. Or became a slave of his brother. Vous compterez 7 sabbats d'année. He shall count 7 sabbaths of year. Et 7 fois 7, ça fera 49 ans. And 7 times 7 will be 49. Mais la 50e année, but
at the 15th year, ce serait l'année de jubilé, ce qu'on appelle l'année de grâce. It will be the year of jubilee, which we call the year of grace. Les sacrificateurs sortaient. And the priest will come out. Il sonnait la trompette dans tout le pays. And he shall sound the trumpet throughout the land. Et quand quelqu'un qui était esclave attendait le son de la trompette, and when one that was a slave shall hear the sound of the trumpet, il était libre sans argent, sans rien payé. One will become free without paying any amount of money. Madame dit, c'était une grande année pour Israël. Barabbam says it was a great year for Israel. C'était l'année de jubilé, l'année de grâce. It was the year of jubilee and the year of grace. Parce qu'on recevait cette liberté là par la grâce du Seigneur. Because that grace was being received by the grace of the Lord. Et remarquez ici, Isaïe parle du temps du Messie. Now, here, Isaiah speaks of the time of the coming of the que Messiah. Quand le Messie viendra, that when the Messiah shall come, le Messie sera loin. The Messiah shall be the anointed one. Si vous le croyez, dites amen. If you understand, parce que le mot Messie veut dire loin. Because the word Messiah means the anointed one. C'est ce qu'on appelle le Christ. That's what we call the Christ. Pas un Christ avec portion. Not a Christian with a portion. Pas un petit Messie. Not a little Christ. Mais le Messie, c'était la plénitude de la divinité. But the Messiah was the fullness of the Godhead or the deity. C'était Dieu prophète. It's a God prophet. C'est qu'on appelait Emmanuel. What we call Emmanuel. Pas Dieu au-dessus de not nous. Not God above us. Pas Dieu en nous. Not God in us. Mais le Messie, c'était Dieu avec nous. But the Messiah was God with us. Il sera le Christ. He will be the Christ, le oint de son jour, the anointed one of his day. Et quand cette onction sera sur lui, and when that anointing will be upon him, il publiera une année de grâce et de jubilé pour le peuple. He will proclaim the year of grace and freedom for the people. Et il va consoler les cœurs des affligés. And he will strengthen up the heart of the afflicted one. Et quand il proclame sa virgule, and when he will state it, il va aussi amener et apporter le jugement aux nations. He will also bring judgment to the nations. Le Messie fera des choses. The Messiah will do two things. Quand l'onction sera sur lui. When the anointing will be upon him. Quand il sera le Christ de votre temps. When he will be the Christ of your time. Quand il sera Emmanuel de nouveau. When he will become Emmanuel again. Quand le Dieu prophète se présentera à l'humanité. When the God prophet will be presented to the humanity. Il apporte l'année de jubilé. He will bring the year of jubilee. Après qu'il finit d'apporter ça. And after he has brought it, il amène le jugement aux nations. He also brings judgment to the nations. Si vous voulez comprendre, dites amen. If you understand, say amen. Voyez-vous, c'est la prophétie. You see, that's the prophecy. Cette prophétie est restée dans la Bible. This prophecy remained in the Bible. Les prophètes se sont succédés après Isaïe. Prophet came after they came after Isaiah. Aucun prophète a accompli ça. None of the prophets fulfilled this. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à l'an zéro de notre temps. But until we reach the year zero of our time. Le Seigneur Jésus-Christ est né. The Lord Jesus was born. La naissance du Messie. The birth of the Messiah. Remarquez quand il est né. No, notice when he was born. Frère Branham dit c'était Jéhovah dans la crèche. Frère Branham says it was Jehovah in a crèche. Qui peut dire amen? Who can say amen? Il dit c'était Jéhovah en train de pleurer. It was Jehovah crying. Mais Branham dit qu'en réalité. Now, Balaam says, in reality, il n'était pas encore loin. He was not yet the anointed one. Il était le tabernacle où l'onction devait venir. He was just the tabernacle where the anointing had to come. Mais à l'âge de 30 ans, but at the age of 30, quand il est parti vers le précurseur, when he went before the forerunner, vers Jean-Baptiste, before John the Baptist, pour qu'il soit baptisé, so that he may be baptized, pas un baptême de la repentance, not a baptism of repentance, comme moi et vous nous pouvons être baptisés, as you and I can be baptized, parce que lui il est sans péché, because he was born sinless, il n'avait pas besoin de la nouvelle naissance, he did not need new birth. Même Branham avait besoin de la nouvelle naissance. Even Branham needed a new birth. Tu vas entendre un amen? And I hear amen. Branham avait besoin de la conversion. Branham was had the needs of to be converted. Mais lui est parti là-bas selon la loi pour que l'agneau soit lavé. But he, Jesus, went there to be baptized, him being the lamb, so that the lamb can be washed. Je vois quand Jean l'a vu. Therefore, when John saw him, mais c'est toi qui dois me baptiser. He said, you ought to baptize me. Parce que c'est toi le Messie. Because you are the Messiah. Mais pourquoi tu viens vers moi? But why do you come to me? Jésus lui a dit qu'il est convenable que nous puissions accomplir toute écriture. And then Jesus answered and said, it is pleasing for all scriptures to be fulfilled. Quelle écriture? Which scriptures? L'agneau devait être lavé. The lamb had to be
washed. Et quand il a été baptisé, and when he was baptized, la Bible dit que le ciel était ouvert. The Bible says that heaven opened. Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu. And God descended in the form of a pillar of fire. Il a pris la forme de la colombe. And took the form of a dove. Et il est entré dans l'âme du Seigneur Jésus. And he got into the soul of the Lord Jesus. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu. And then John said, behold the Lamb of God. Qui ôte les péchés de ce monde. That take away the sins of the world. En ce jour-là, 30 ans. But Abraham says, in that day of 30. Jésus est devenu le Christ. He says, Jesus became the Christ. Le oint. The anointed one. Il est devenu le Messie. He became the Messiah. C'est à 30 ans qu'il est devenu le grand oint. It's at 30 that he became the great anointed one. Or l'onction là c'est une personne. Why that anointing is a person. Il était la personne oint. He was the anointed person. Il est devenu le Christ. And he became the Christ. Et il est devenu le Manuel. And he became Emmanuel. Dieu avec nous. God with us. La plénitude de la divinité dans l'homme. The fullness of the Godhead in a man. Le ciel et la terre se sont mariés, mes amis. Heaven and the earth got married. Et selon la loi, and according to the law, il devait aller directement dans le temple. He had to go immediately into the temple. Mais lui n'avait pas la Bible. But he did not have the Bible. Parce que lui était l'accomplissement de tous les prophètes et les psaumes. Because he was the fulfillment of all the prophets and the psalms. Parce que Jésus était l'Ancien Testament accompli. Because Jesus was the Old Testament fulfilled. C'est pourquoi il n'avait pas besoin d'un rouleau. That's why he did not need any book or any scroll. Quand vous verrez un homme qui n'aura plus besoin de ça, when you will meet a man that will no longer need it, il deviendra la même chose pour vous. He will become the same thing for you. Jésus n'avait pas la Bible. Jesus never had a Bible. Il n'avait pas le Torah ici. He never had a Torah. Il n'avait pas le rouleau. He never had a scroll. Parce que lui-même était le rouleau manifeste. Because he was the manifested scroll. Il était la parole faite chair. He was the word made flesh. Il était tous les prophètes manifestés. He was all the prophets manifested. Et le sabbat, and on the Sabbath, selon la coutume des Juifs qui priaient le sabbat, according to the Jews' custom that they would pray Jésus praying on the Sabbath. Jésus est parti dans les synagogues. Jesus went in the synagogue. Comme nous les chrétiens nous venons le dimanche. Like us Christians we come to church on Et Sabbath. Quand il est entré dans les synagogues, and when he got into the synagogue, lui n'avait pas la Bible. He never had a Bible, you Mais see. Le souverain sacrifice. But the high priest that was there, et Jésus a dit que j'aimerais lire une écriture. And Jesus said that I had to read a scripture. Et le souverain sacrificateur lui remit son propre rouleau. And the priest came and gave him his own book or Bible Regardez scroll. Que ce n'était pas le rouleau de Jésus. Notice, it wasn't Jesus' book or Mais Bible. Mais le souverain c'est que lui remit le rouleau. But the priest had to give the scroll to Jesus. Et quand il a pris le rouleau là, and when Jesus had taken the scroll, il a ouvert Esaïe 61. He opened and read Isaiah chapter 61. Il a commencé à lire. And started to read. Il a fait la lecture. And he read. Il dit, le Esprit du Seigneur m'a oint. He said, the Spirit of the Lord is upon me. Pour proclamer l'année de grâce et de jubilé. To proclaim the year of grace and jubilee. Et la liberté aux captifs. And freedom to the bound. Pour rendre les malheureux heureux. To make the miserable happy. Quand il arrive au milieu du verset, and when he reached in the middle of the verse, Jésus s'est arrêté. He said, but Abraham says that Jesus stood hold. Il a laissé la deuxième partie. And he left the second part. Très important. It's very important. Regardez Esaïe 61. Now Isaiah 61. Dans le même verset là. In the same verse. Dans Esaïe 61, dans le même verset. In Isaiah 61, the same le verse. Le même verset, la partie A. The same part, part A. Parle de l'année de jubilé. Speaks of the year of jubilee. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Qui était la 50e année. Which was the 50th year. Et dans la partie B qui est séparée seulement par une virgule. And the part B which is separated just with a comma. Esaïe a dit apporter le jugement aux nations. And Isaiah said bringing judgment to the nations. Lui le Messie. He the Messiah. Il sera oint. He will be anointed. Quand il est oint, when is anointed, il apporte le jubilé. He brings the jubilee. La liberté aux captifs. Freedom to the bound. Et il apporte le jugement aux nations. And bring judgment to the nations. C'était le même verset. It was the same verse. Remarquez, ce n'était pas deux versets. Notice, it was not two verses. Ce n'était pas deux chapitres. It wasn't two chapters. C'était le même verset. It was the same verse. Séparé seulement par une virgule. Separated just by a comma. Mais quand il vient, quand il a été oint, but when he comes, when he was anointed. Il entre dans les synagogues. He got into the synagogue. Le sacrificateur lui remet le rouleau. And then the priest gave him the book of the scroll. Au lieu de lire tous les versets, instead of him to read the entire verse, il a lu
lit seulement la partie qui concernait le jubilé. He only read the part which concerned the jubilee. Et il s'est arrêté là. And he stopped right there. Et il a fermé. And he closed it. Il a remis ça au sacrificateur. And gave it back to the priest. Et il les a regardés. And he looked at them. Aujourd'hui. And said, today. Cette écriture est accomplie. This scripture is fulfilled. Aujourd'hui. Today. Cette partie de la parole est accomplie. This part of the word is fulfilled. Frère Manu, pourquoi il n'a pas lu tous les versets? Madame Adam says, why didn't he read the entire verse? Le même verset. The same verse. Parlait de deux venues du Seigneur. Spoke of two coming of the Lord. Apporter l'année de jubilé. To bring the year of jubilee. C'est ce qu'il devait faire à sa première venue. That's what he had to do in his first coming. Le seul virgule là. But now, that comma. La deuxième partie. The second part. Apporter le jugement aux nations. To bring the judgment to the nations. Branham dit ça devait se faire à sa seconde venue. But Branham said it had to come to pass in his second coming. Si vous comprenez, dites un grand merci. Now, if you understand, say it. Il dit le seul petit virgule ici. It says that simple little comma there. A séparé les deux époques de la durée de 2000 ans. Separated the two part of 2000 years. Vous voyez que la Bible, il vous faut un prophète. You see that the Bible, you need a prophet. Le seul virgule simple. Now, a simple comma. A pris la durée de 2000 ans. Took 2000 years. Qui sépare les deux époques. Which separate the two parts of time. Qui va le faire? Now, who is going to do it? Ce ne sera pas un prophète. It will not be a prophet. Ce ne serait pas un auxiliaire. It won't be an auxiliary. Ce serait Dieu prophète lui-même. It will be God prophet himself. Celui qui fera l'année de jubilé. He will be the one that will do the year of jubilee. Et qui fera le jugement aux nations. And will do judgment to the nations. Ce ne serait pas un prophète. It will not be a prophet. Si Frère Branham c'est un prophète. If Brother Branham is a prophet. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Meaning it's not him. Je vais entendre un amen. On a hear amen. Je le répète ici maintenant. I'm going to repeat this now. Si Frère Branham c'est un prophète. If Brother Branham is a prophet. Parce que Frère Branham n'est pas Dieu prophète. Because Brother Branham is not God prophet. Oh, il n'y a pas d'amen. There are no amen. Tous les prophètes disent ainsi dit le Seigneur. All the prophets says that said the Lord. Mais Jésus disait en vérité je vous l'ai dit. But Jesus was saying truly I say unto you. Parce que lui-même était le Dieu prophète. Because himself was the God prophet. Et la prophétie d'Esaïe. And the prophecy of Isaiah. Ce n'est pas un prophète qui l'accomplira. It's not a prophet that will fulfill it. Ce serait le Dieu prophète lui-même. It will be the God prophet himself. Et la première partie. And the first part. Apporter le jubilé. To bring the jubilee. Jésus a accompli ça dans son corps. Jesus fulfilled it in his body. C'est pourquoi il marchait en Jérusalem. That I was walking in Jerusalem. Il pardonne les péchés des prostituées. Forgive the sins of the prostitutes. Pendant qu'on veut les condamner dans la loi. Why do you want to condemn me in the law? Lui, il les pardonne. He forgives. Il leur donne la liberté. He gives them freedom. Il guérissait ceux qui étaient malades. He healed those that were sick. C'était une année de grâce et de jubilé. It was a year of grace and jubilee. Et après, il est parti mourir à la croix. And afterward, he went to die at the Nous cross. Avons eu le plus grand jubilé de la rédemption. And we had the greatest jubilee of redemption. Le prix a été payé. The price was paid. La croix nous a rendus libres. The cross made us free. Nous ne pouvons plus être esclaves du péché. We can no longer be slaves of sin. Frère Branham dit aujourd'hui tu n'es plus un esclave. Brother Branham says that today you are no longer a slave. Tu n'es plus esclave du péché. You are no longer a slave of sin. Tu n'es plus esclave même d'aucune maladie. You are no longer a slave of even any sickness. Parce que l'œuvre du calvaire. Because the work of Calvary. Par le ministère de Jésus-Christ. By the ministry of Jesus. C'est la trompette de la liberté. It's the trumpet of freedom. Oh, pendant que je dis ces choses. While I'm saying these things. Satan te dit que tu as fait ceci, Satan will tell you have done this and that. Frère Branham ne le croyez pas. Brother Branham says, don't you believe what Satan tells Même si you. Tu es esclave. Even if you are slave. Ne crois pas ton esclavage. Don't believe in your slavery. Le croyant ne croyait pas à sa condition. The believer will not believe in the condition. Mais lui croyait à la trompette. But they believed in a trumpet. Et maintenant je suis libre. But now I am free. Je peux regarder mon chef. I can look at my boss. Lui dire que je suis maintenant libre. And tell him I'm now free. Branham dit, il arrivera au temps de la fin. Brother Branham says, it will happen that One of the things which the seals they reveal c'est de révéler à l'épouse de Christ is to reveal to the bride of Christ aux chrétiens to the Christian que toi, tu es un homme libre. That you are a free man. Tu as la liberté. You have got freedom. Tu n'es plus esclave de la maladie. You are no longer a slave of sickness. Pendant que je prêche ces choses, while I'm preaching these things, mon ami, la guérison t'appartient. Branham says healing belongs to you. Tu n'es pas esclave de la pauvreté. You are not slave of poverty. Tu n'es pas esclave de
soucis. You are not slave of worries. Tu n'es pas esclave des problèmes. You are not slave of problems in your la life. La trompette a rendu libre. The trumpet has made you free. Par l'œuvre du calvaire. By the work of Calvary. Regardez ce que moi je crois, mes amis. Look at what I believe, friend. Mes péchés ne sont pas pardonnés le jour où je les confesse. My sins are not forgiven me the day I confess them. Il y a 2000 ans. It's 2000 years ago. Tous mes péchés ont été pardonnés. All my sins were forgiven. Hallelujah. Hallelujah. Mes maladies ne sont pas guéries. My sickness are not healed. Le jour où Dieu m'a guéri. The day God healed me. Il y a 2000 ans. 2000 years ago. Par ses meurtrissures. By his stripes. Nous avons été guéris. We were already healed. Frère Marie, la seule chose. But what I'm saying is the only thing. Toi, tu dois l'accepter. You must accept it. Tu acceptes. You accept. Que je suis libre. That I am free. Tu acceptes. You accept. Que je ne suis pas esclave du péché. That I'm not slave of sin. Et je veux que tu acceptes ça ce matin. And I want you to accept it this morning. En cette fin d'année. In this end of year. Quand tu regardes le mois de janvier. When you look at the month of January. Jusqu'au mois de décembre. Until December. Je veux que tu acceptes. I want you to accept. Que tous tes péchés. That all your sins. Sont déjà pardonnés. Are already forgiven. Je veux que tu acceptes. I want you to accept. Que tous les échecs. That all your failures. C'est la victoire pour it's toi. It's victory for you. Je veux que tu acceptes. I want you to accept. Que toute maladie. That all sicknesses. It was healing for you. But Abraham says it's a problem of accepting. When you listen to the trumpet, you accept your freedom. Because Abraham says what when you don't accept it, in the same year of Jubilee, it was also the year of the mark of the beast. If you listen to the trumpet, you refuse de sortir libre, and you refuse to come out free, on l'amène la personne au temple. They will bring that person in the temple. On lui mettait un pinceau ici. They will pierce the ear. Il avait un boucle d'oreille. And they will give them earring. Il était plus libre. That means they were no longer free. Même la prochaine jubilée, even the coming jubilee, lui ne devait plus jamais être libre. They will never be free. C'est ça l'origine que vous voyez les femmes porter les boucles d'oreilles. That is the origin where you see women putting on earrings. Souvent nos sœurs ne portent pas les boucles d'oreilles. That's why our sisters don't put on earrings. Parce que tu n'es pas esclave. Because you are no longer slaves. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. Satan a amené ça comme la beauté. Satan has brought this earring to become as beauty. Mais la parole. But the word. L'origine des boucles d'oreilles. The origin of earrings. C'est quelqu'un qui est esclave. It's a person that is still slave. Il a perdu son année de jubilé. He lost his year of jubilee. Madame dit on appelait ça l'année de grâce. But Madame says they were calling it the year of grace. Tu reçois ça sans mériter. You actually receive it without deserving it. Il y a des gens qui pensent à l'église. There are people that think that a church. J'irai au ciel. If you are going to heaven, je fais ceci, je fais cela. You think that you'll go to heaven c'est because you fausse révélation. That's a false revelation. Nous irons au ciel par la grâce du Seigneur. We will go to heaven by God's grace. Et la grâce c'est quelque chose que tu ne mérites pas. And grace is something that you don't deserve. Et Jésus a lu le rouleau. And Jesus read a scroll. Ce n'était pas son rouleau à lui. It wasn't his scroll. Ça venait du main du sacrificateur. It was coming from the priest's hand. Et il a regardé. And he looked at him. Il a dit aujourd'hui. And he said today. Cette écriture. This scripture. Est accomplie. Is fulfilled. C'est moi le Christ. I am the Christ. C'est moi le oint. I am the anointed one. Et si je suis le oint, and if I am the anointed one, je proclamerai l'année de liberté. Then I state the year of liberty. On a arrêté une femme en adultère. That's why they caught a woman in on l'amène chez le maître du jubilé. They brought him to the master of jubilee. Il dit maître, qu'est-ce que tu dis? They said, they ask him, master, what do you say about this woman? Lui n'était pas venu apporter la condamnation. He did not come to bring condemnation. Il a porté l'année de grâce. He came to bring the year of grace. Il lui a fait grâce, il rentre le prêche. He was gracious to her and says, go back and sin no more. C'est ce qui dérangeait les pharisiens. That's what disturbed the Pharisees. Ils ne comprenaient pas que la présence de Jésus sur la terre. Now they did not understand that the presence of Jesus on the earth. Dieu accomplissait l'écriture. Jesus, God was fulfilling the scripture. Jésus lui-même était le jubilé rendu manifeste. Jesus himself was the jubilee made manifested. Lui-même était la grâce rendue vivant. Himself was the grace made alive. Béni soit le nom de notre Seigneur. Blessed be the name of our Lord. C'est ce qui fait de notre religion la meilleure. That's what makes our religion the best. Nous ne sommes pas les musulmans. We are not Muslims. Nous ne sommes pas les bouddhistes. We are not Buddhists. Où les gens sont dans les lois et dans ceci. People are under laws. Mais la meilleure religion c'est le christianisme. The Bible says the best religion is Christianity. Et le christianisme c'est la grâce en toutes choses. And Christianity is grace upon all things. Moi je suis sauvé par la grâce. I'm saved by grace. Mes mérites ne m'amèneront nulle part. My reward with my deserve. J'essaie de faire mes mérites pour plaire au Seigneur. I'm trying to do my best in order for me to mais please
When I hear big amen to that. Voyez-vous cela? You see that? Et il a fermé le rouleau. And he closed up the scroll. Ça, c'était la première venue. That was the first coming. Il était qui? Le Fils de l'homme. Who was he? The Son of Man. Apportant l'année de jubilé au peuple. Bringing the law of jubilee to people. Et avant de partir. And before he goes. Il savait. He knew. Que la deuxième partie reste. That the second part remained. Apporter le jugement aux nations. To bring judgment to the nations. C'est pourquoi il a commencé à se demander dans Luc 18, 8. That's why he started to ask himself in Luke 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre. When the Son of Man will come on earth. Trouvera-t-il la foi? Will he find faith? Il a posé la question à Luc 18. He asked the question in Luke 18. Il se lamentait. He was grieving. Quand je viendrai. When I will return. Comme étant le Fils de l'homme encore. Being the Son of Man again. Mais dans un corps qui n'est pas le mien. But in a body which is not mine. Pour apporter le jugement à toutes les nations. To bring judgment in the entire nation. Est-ce que les gens vont me croire? Will people believe in me? Il a posé la question. He asked a question. Si vous me comprenez, dites amen. If you understand me, et dans Luc 17, and in Luke 17, vous devez lire la Bible selon la révélation du messager. You must read the Bible in line with the revelation of the messenger. Selon Frère Branham, according to Brother Branham, Luc 18 était écrit avant Luc 17. According to Brother Branham, it says Luke 18 was written before Luke 17. Y a pas d'amen? There are no amen. Là, il pose la question. They ask a question. Et dans Luc 17, and in Luke 17, il répond. He answers. Ce qui arriva du temps de Noé. That which happened in the time of Noah. Arrivera au jour du Fils de l'homme. Will happen also in the time of the Son of Man. Ce qui arriva du temps de Lot. What happened in the time of Lot. Arrivera au jour du Fils de l'homme. Will happen in the day of the Son of Man. Le Fils de l'homme viendra encore. The Son of Man shall come again. Pour apporter le jugement à toutes les nations. To bring judgment to the entire nations. Quand il va venir, and when he shall come, le monde sera comme au temps de Sodome. The world will be like in the time of Sodom. Le monde sera comme au temps de Noé. The world will come like in the time of Noah. Regardez, je vais connecter une chose. Now, I'm going to link something here. Le monde au temps de Noé avait atteint 7 milliards d'habitants. The world in the time of Noah were in a population of 7 billion inhabitants. 7 milliards. 7 billion. La Bible dit que quand les gens commençaient à se multiplier. The Bible says when people started to multiply themselves. Il y avait la croissance démographique. There was an increase of populations. 7 milliards. 7 billion. Mais la majorité était la semence du serpent. But majority was the serpent seed. Les enfants du diable. The children of the devil. Et en ce temps-là. And in those days. Il y avait la beauté des femmes. There was a beauty of women. Et les fils de Dieu. And the sons of God. Ont commencé à convoiter les femmes-là. They started to lust after those women. Ils ont commencé à avoir les amours libres avec eux. They started to have free love with them. Ce que nous appelons aujourd'hui yakatofanda. Which they just call boyfriend and girlfriends. Les gens qui vivent sans se marier. People that are living together. Without being legally married. On s'est rencontré dans les bars. We met in a shabbin. On s'est rencontré dans les business. We met in a business. On s'est rencontré à Jobu. We met in Johannesburg. Il y a pas la dot chez ta famille. There is not bride price. Même si la dot est payée. Even if the bride price was on paid. On n'a pas béni le mariage à l'église. Your marriage was not blessed in ils church. Ils sont là en train de vivre. But yet you find that people are living like that. L'amour libre. That is free love. That c'est ce qui s'est passé en ces temps-là. And that's what used to happen in il those days. Il y avait pas de mariage. There was no marriage. Cet esprit-là ne doit pas être dans cette église. And such spirit should never be found in this church. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Marriage belongs to the house of God. Les gens qui vivent sans se marier. People that are living without being married. Boyfriend, girlfriend. Boyfriend and girlfriend. Et surtout dans ces pays sur l'Afrique du Sud. Especially in this country in South Le Africa. Le premier pays du monde qui est rempli des enfants bâtards. The first country that you find that there is a lot of illegitimate children. Même les grands-pères et les grands-mères, boyfriend, girlfriend. And your father is living their boyfriend and girlfriend. Les papa et maman, boyfriend, girlfriend. Father, your father and your mother, you find them with boyfriend and girlfriend. Il faut vous marier légalement. You must get married legally. Vous les young people, d'amen. You young people of amen. Que tu sois étudiant. May you be a student. Sortez de cet esprit-là. Come out of that spirit. Nous ne croyons pas à boyfriend et girlfriend dans le message. We don't believe in boyfriend and girlfriend here in this message. Ici vous devez vous marier. Here you must be married legally. Et le mariage n'appartient pas à l'état civil. And marriage is not for civil state. Le mariage n'appartient pas aux parents. Marriage does not belong to parents. Ça appartient à la maison du Seigneur. It belongs into the house of the Lord. Je vais entendre un grand amen. I want to hear a big amen.
C'est un esprit au temps de Noé. It's a spirit that was also in the time of Noah. Et les gens commençaient à mettre beaucoup au monde. People started to give birth a lot. Sans se marier. Without getting married. Mais en ce temps-là, but in those days, il y avait un Noé sur la terre. There was a Noah on the earth. Pas de Noé, one not man. Two, one man. Un seul Noé, un seul arche. One Noah, one ark. Un seul voie pourvue par Dieu pour être sauvé. One way provided by God to be saved. Un seul prophète. One prophet. Mais quand le monde arrive à ça, but now, when the world reaches into this, je vous avais enseigné ça ici, le monde a atteint 7 milliards pour la première fois. I taught you last time when the world, the population of the world was 7 billion in depuis 2013, le monde a atteint 7 milliards. Since 2013, the world was now populated with 7 billion of inhabitants. On n'ira plus loin là. We will not go far again. 7 milliards de la population. 7 billion of inhabitants. Et les femmes sont devenues très belles. And you find that women are becoming very beautiful. And then d'où vient leur beauté? But Abraham asked the question and says, why does the beauty of leur women beauté come? Vient par les salles de beauté. He says that the beauty comes from place of beauty. Avec le max factor. Beautician with max factors. Mais ici, the boot lipstick. Mais là-bas, the boot is thing. Mais ceci, the boot such things. Frère Abraham dit, vous les filles de Dieu. But Abraham says, you daughters of God. Votre beauté n'est pas ça. Your beauty are not those things. La beauté d'une fille de Dieu, c'est son caractère. The beauty of a daughter of God, it's a character. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. C'est why les sœurs viennent à l'église en retard. That's why sisters come to church very late. Avant de venir à l'église. Before they come to church. 2 heures devant le miroir. 2 hours before the mirror. Il met le fond de terre, le fond de ceci, le fond de ça, je ne sais pas le fond de ça, le fond de ça. They put on the faces, they painting the faces and all that. Madame dit, arrangez même vos cheveux comme vous voulez. But Abraham says, you women fix your hair the way you want. Mais ne ressemblez pas au monde. But don't you look like the world. Il dit, restez naturel. He says, remain natural. Il y a un esprit ici, amen. There is a spirit now here in heaven. Les sœurs qui changent les cheveux comme des païens. Sisters changing their hairstyle like unbelievers. C'est la fin d'année ici. It's the end of the year now. Vous avez besoin d'une purification. You need a purification. Sortez de ces esprits-là. Come out of those spirits. Restez vos cheveux naturels. But Abraham says, keep your hair natural. La volonté de Dieu. The will of God. Est que vos cheveux soient naturels. Is for your hair to be natural. Je vais entendre les sœurs dire amen. I want sisters to say amen. Si vous ne dites pas amen, Maître Abraham dira amen. If you don't say amen, Maître Abraham will say amen in heaven. Regardez les sœurs, regardez vos cheveux aujourd'hui. Now look at the sister, look at sister's hair today. Look at your hair, you sister. Les cheveux rouges. You've got the hair. Les cheveux verts. Red hair. Les cheveux jaunes. Les cheveux ceci. You've non. Got pink. Oh my. Restez vos cheveux tranquilles. Ladies, please leave your hair alone. Parce que l'esprit de Noé est sur la terre. Because the spirit of Noah is now here on the earth. Le temps de Noé est sur la terre. The time of Noah is right here on the earth. Les sœurs n'aiment que la beauté. Sisters just want to be beautiful. Frère Branham, ils n'aimeront plus même essayer de préparer la nourriture parce qu'ils aiment être belles. Frère Branham says they won't even like to be cooking food because they want to look beautiful with long nails. Quand tu vois leurs ongles, c'est comme je ne sais pas. When you look at the ladies' nails, you find that they are like. We don't know what they look. Comment elle va préparer la nourriture? How do you expect her to cook avec food tout ce vernis dans vos ongles? With all those nail polishes. God has c'est un esprit au temps de la fin. That is a spirit at the end time. Pendant les maisons de beauté et les usines auront beaucoup d'argent. But Abraham says that at the end time, the beautician salon will be making a lot of money. Et le monde sera comme au temps de Sodome. And the world will be like in the time of Sodom. L'homosexualité partout. Homosexuality throughout. Les hommes qui se marient avec les hommes. Men getting married to men. Les pédés. Gays. Les femmes avec les femmes. Women getting married to women. C'est une abomination devant Dieu. That's an abomination before God. Un pédé n'ira jamais au ciel. A gay person will never go to heaven. Ne me dis pas que c'est la liberté. Don't you tell me that it's freedom. Frère Branham dit, nous crierons contre ça. But Abraham says we'll shout against that. Et depuis 2006. And since 2006. L'Afrique du Sud a reçu sa malédiction. South Africa also received its curse. Leur parlement a voté sur l'homosexualité. Their parliament also voted for homosexuality. Oh my. Sortez de ces choses. Come out of those things. Dieu a créé l'homme qui se marie avec la femme. God created a man to get married to a woman. Pas l'homme avec l'homme. Not a man getting married to a man. C'est une perversion. That is perversion. Est-ce que je peux entendre un amen? Can I hear amen to that? Quand vous verrez l'homosexualité partout. When you see homosexuality all over. Et le pays le plus élevé de ça. And the highest country with that. Et toute
la beauté comme au temps de Noé. Of all the beauty like in the time of Noah. Et toute l'homosexualité comme au temps de Noé. Of all homosexuality in the time of Noah. C'est les États-Unis d'Amérique. It's the United States of America. Avec les Hollywood. With the Hollywood. C'est ces pays-là qui projettent la mondanité dans le monde. That's the country which you find is projecting worldliness in around the world. Avec les acteurs et les actrices. With actors there. En ce moment-là, and when you see that, dans le that monde sera cette condition-là. When the world will be in that condition, le Fils de l'homme reviendra encore. The Son of Man will return again. Et quand il reviendra, and when he shall return, il reviendra comme devant Abraham. He will come like before in the time of Abraham. Qu'est-ce que Isaïe a dit? What did Isaiah say? Il viendra porter le jugement aux nations. He said he will come to bring judgment to nations. La première fois. The first time, il a apporté le jugement. He brought judgment to nations. Sodome et Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Elohim est descendu. Elohim descended. Pas Abraham. Not Abraham. Pas un prophète. Not a prophet. Le créateur lui-même. The creator himself. Quand il descend. When he descends. Il était parti apporter le jugement. He went to bring judgment. Parce que l'intercession était terminée. Because intercession was finished. Devant Abraham. Before Abraham. Il n'est pas venu pour Abraham. He did not come for Abraham. Il allait pour apporter le jugement. He was going to bring judgment to Sodom and Gomorrah. Dans la nation appelée Sodome et Gomorrah. In the nation called Sodom and Gomorrah. Et comment il descend pour apporter le jugement? And how does he descend to bring judgment? Ce n'est pas un Dieu qui descend du ciel. It's not a God descending from heaven. Ce n'est pas un mouvement de haut en bas. It's not a movement from up to down. Elohim est devenu un homme. Elohim became a man. Habillé comme tous les hommes. He was dressed like all other men. Il était accompagné de deux anges. He was coming along with two angels. Gabriel et Michael. Gabriel and Michael. Et ils étaient en train de marcher. And they were walking. La direction c'est d'apporter le jugement à Sodom. The direction is to bring judgment to Sodom. Mais Abraham. But Abraham. N'était pas à Sodom. Was not in Sodom. Il était sorti de Sodom. He came out of Sodom. Il était assis devant sa tente. He was in front of his tent. Il méditait la révélation. He was meditating upon the revelation. Il a vu trois hommes. He saw three men. Qui allait apporter le jugement. That were passing to go bring judgment. L'un d'entre eux c'est Elohim. And one of them was Elohim. Abraham l'a reconnu. And Abraham recognized him. Comment il a reconnu? How did he recognize him? Il appela Abraham. He called him Abraham. Par son nom nouveau. By his new name. Il appela Abraham. He called Abraham. Abraham n'a pas regardé à la chair. Abraham did not look at the flesh. Abraham a regardé au-delà de la chair. Abraham looked beyond the flesh. Il appela cet homme-là Elohim. He called that man Elohim. Et Abraham l'adora. And Abraham worship the man. Mais n'adora pas le corps. But Abraham says he did not worship the mais man, the body. L'esprit. But he worshiped the spirit. Mais le corps était le lieu d'adoration. But the body was the place of worship. Mais l'objet d'adoration c'était Elohim. But the object of worship was Elohim. Et quel était le signe? But which was the sign? Il avait le dos tourné à la tente. He had his back turned toward the tent. Il a discerné les pensées. And he discerned the thought de Sarah. Of Sarah. Et après cela, and after that, quelle était la voix? What was the voice? Cacherai-je à Abraham? Will I hide that to Abraham? Ce que je vais faire. What I'm about to il do? Il a commencé à dévoiler Abraham. He started to reveal unto Abraham. Le mystère. The mysteries. De la fin de temps. Of the end of time. Je vais à Sodome. I'm going to Sodom. En ce moment-là. And at that moment. L'intercession est terminée. Intercession was finished. Qui intercédait? Who was interceding? C'était Abraham. It was Abraham. Et l'intercession. And intercession. C'est le sang. It's the blood. Au ciel. In heaven. Il n'y avait plus le sang. There was no more blood. Est-ce que vous le croyez? Hey, do you believe that? Mais le sang. But the blood. C'était sur la terre. It was on the earth. Qui était le sang? Who was the blood? Abraham. Abraham. Oh Seigneur. Oh Lord. Si tu trouves 50. If you find 50. Oh Seigneur. Oh God. Si tu trouves 10. If you find 10. Oh Seigneur. Oh God. Si tu trouves 10. If you find 10. C'était lui l'intercesseur. Abraham was the intercessor. Aujourd'hui. Today. Les gens cherchent l'intercession. People are looking for intercession. Au ciel, l'intercession est terminée. In heaven, intercession is finished. Si le monde continue aujourd'hui, if the world carries on today, c'est parce qu'il y a la semence d'Abraham. It's because there's the Abraham seed. Pas l'Abraham de l'Ancien Testament. Not the Abraham of the Old Testament. Abraham au temps présent. Abraham in the present time. Quand nous sommes sur la terre, when we are on the earth, les enfants de H.A.M. the children of H.A.M. pendant que nous vivons ici, while we are living here, c'est pourquoi le monde continue. That's why the world carries on. Mais attendez un jour. But wait one day. Ce corps changera. This body will change. Et Isaac sera là. And Isaac will be there. Alors le monde aura les bombes atomiques. Then the world will have atomic bombs. C'est toi le sang. You are the blood. Le sang de Jésus aujourd'hui. The blood of Jesus today. C'est l'épouse. It's the bride. C'est toi le sang. You are the bride. C'est toi qui protèges Joburg. You are the one protecting Johannesburg. Frère Babi, les jours où on quitte
quittera la terre. But Abraham says, the day we will leave this earth, Dieu détruit ça. God will remain and destroy it. La même chose se répétera. The same thing will repeat itself. Dieu, God, descendra, shall descend, s'incarnera, will be incarnated, et il sera personnifié, and will be personified, dans un homme, in a man. Et le signe, and the sign, ce ne serait pas les miracles. It will not be miracles. Ce n'est pas recevé. It's not received. Il va tourner le dos. He will turn his back. Quand vous verrez ça, and when you see that, ça dit le Seigneur est sur la terre, meaning the Lord is on the earth, pour accomplir la deuxième partie, to fulfill the second part, et en ce moment-là, and at that moment, c'est la seconde venue du Seigneur. It's the second coming of the Lord. Apporter le jugement aux nations, bring judgment to the nations. C'est dans sa seconde venue. It's in his second coming. Je vais entendre un amen. I want to hear c'est la seconde venue, mes amis. It's the second coming, friend. Et Fabana me dit, but Abraham says, si j'ai rencontré Jésus à Pick and Pay, if I'm perhaps, c'est moi qui ajoute Pick and Pay. I'm the one adding Pick and Pay. If perhaps I can meet Jesus in Pick and Pay, avec les cheveux, with his hair, avec la robe, with the dress, je ne le reconnaîtrai pas. But Abraham says, I will not recognize him. Et Abraham dit, ce ne sera pas lui. And he goes further and says, it will not even be him. Même s'il a des cicatrices, even if he has got wounds, ce ne sera pas lui. He says, it will not be him. Il dit, ce serait antichrist. He says, that will be antichrist. Parce qu'il y a aucune promesse. Because there are no promises. Que Jésus de Galilée va marcher à Paris. That Jesus of Galilee will walk again here. Nous irons le rencontrer. We shall go to meet mais him. Lui ne marchera plus. But he will never walk again here. Mais au même moment, but meanwhile, il a promis de revenir. He promised to come back again. Il ne marchera pas ici. He will not walk here. Mais comment il viendra? But how is he going to come? C'est le mystère du septième sceau. It's the mystery of the seventh seal. Qui est connecté avec Esaïe. Which is connected with Isaiah. Les anges ont arrêté de jouer. The angels stopped to play. Le Seigneur a quitté le trône. The Lord left the throne. Où est-ce qu'il va? Where is he going? Il n'y a pas un corps né sans péché sur la terre. There are no body born sinless on the earth. Les anges se sont étonnés. Angels got astonished. Mais le Seigneur, tu vas où? But they asked, God, Lord, where are you going? Et il descend selon Apocalypse 10. And he descends according to Revelation chapter 10. J'ai vu un autre ange puissant. I saw another mighty angel. Qui descend du ciel. That descend from heaven. Frère, qui est cet ange? And Abraham says, who is that man? C'est Christ. He says, it's Christ. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. C'est pas Jésus. It's not Jesus. Christ. Christ. Christ a en lui le millennium. Christ has got in him the millennium. Et le 28 février, and the 28th February, la science l'a photographié. Science took a picture of it. Et il vient avec une perruque blanche. And he comes with a white wig. Il est le juge suprême. He is the supreme judge. Il vient accomplir Esaïe. He comes to fulfill Isaiah. Apporter le jugement aux nations. To bring judgment to the nations. Comme un juge qui se respecte. As a judge that respects oneself. Quand il descend à la cour. When he comes in the court. Le juge a le livre des lois. He is the judge that's got the book of laws. Il descend avec le sept tonnerres. He descends with the seven thunders. Un livre ouvert. An open book. Quand il descend. When he descends. Comme un juge. As a judge. Il doit s'asseoir dans un. He has to sit in a throne. Et le trône, and the throne, c'est l'homme. It's a man. Ne suivez pas les cantiques païens des pentecôtistes qui ne comprennent pas la parole. Don't you follow these pagan pentecôtistes that do not understand the word? Yes, oh, you saw this. God sat in his throne. Oh, his throne does not move. Menteur. You such a big liar. Il y a pas bende de chaises au ciel. There is no thrones of chairs in heaven. Le trône de Dieu. The throne of God. C'est un corps. It's a body. Le premier trône était au ciel. The first throne was in heaven. Dites amen. Say amen. Le deuxième trône. The second throne. C'était dans Jésus. It was in Jesus. Le troisième trône. And the third throne. Là où il va juger. Where you judge. C'est dans l'homme. It's in a man. One man. Une seule personne. Pas deux. Not two. Quand il descend. When he descends. Il s'incarne en William Branham. He will be incarnate in William Branham. Et en ce moment-là. And in that moment. Il vient apporter le jugement. He comes to bring judgment. Mais gloire à Dieu. But glory to God. Branham dit regardez. Branham says look. Il ne vient pas pour l'année de grâce. He does not come for the year of grace. Il vient pour apporter le jugement. He comes to bring forth judgment. Mais en ce moment-là. But in that moment. Il y a une épouse. There is a bride. Branham dit l'épouse. Branham says the bride. Son mari est le juge. The husband is the judge.
Et le juge devient l'avocat. And the judge becomes the lawyer. Et il devient le mari de l'épouse. And he becomes the husband of the bride. C'est pourquoi, mes amis, ne passez pas votre temps dans l'église. That's our friends. Don't you waste your time in church. En train d'accuser l'épouse de Jésus-Christ. Busy accusing the bride of Jesus Christ. Si ton mari est juge, if your husband is a judge, qui t'a épousé, that is married on you. Peut aller t'accuser comment? They can go and accuse you anyhow they un want. Un juge ne condamne jamais son épouse. A judge will never condemn his wife. Aucune condamnation. There are no condemnations. Pour ceux qui sont dans ces messages. For those that are in this message. Le juge est notre mari. The judge is our husband. Et il nous a déjà réclamé. And he has already claimed us. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. Il est le juge. He is the judge. Dans son ministère avec William Branham. In his ministry with William Branham. Tu le croyais dit amen. If you le ministère de Frère Branham c'est d'apporter le jugement à toutes les nations. The ministry of Frère Branham is to bring judgment to the entire nations. C'est quoi les gens ne comprenaient pas? That's what people never understood. Frère Branham dit mon ministère. Frère Branham says my ministry. C'est pour vous le déclarer. Is to state unto you. Que il est ici. That he is here. Pas qu'il est là-bas. Not that he's there. Il est ici. He is here. Et il prêche. And he preaches. Il est ici. Here he is. Un homme. A man. Qui peut allumer la lumière. That can turn on the light. Et on cherchait où est cet homme. And we're looking for the man. Cet homme était en lui. That man was in him. Il prêche. He preaches. La présence de Dieu. The presence of God. Non reconnu. Unrecognized. Frère Branham introduisait quelqu'un. Frère Branham was introducing somebody. Pauvre pasteur. Oh, you pastors. Je vais te récupérer le dimanche prochain. I'm gonna hold, get hold of you next Sunday. En 62, quand Frère Branham est. In 62, when Frère Branham is born. Je prépare la plateforme. I'm preparing the platform. Pour quelqu'un. For somebody. Nous ne serons pas deux. We will not be two. Je dois diminuer. I've got to diminish. Un pauvre pasteur. Oh, such a dear Lord pastor. Without a revelation. Qui s'est dit que l'homme là c'était lui. And he is claiming to be that man. Menteur. You're such a liar. Frère Branham en 62. Frère Branham in 62. Il préparait le platform. He was preparing the platform. Pour un homme plus que lui. For a man greater than him. Mais qui est plus que Frère Branham? But who is greater than Frère Branham? Ce n'est pas un Ephésien. It's not an Ephesians 4. Dites amen. Say amen. Ce n'est pas Frère Joseph. It's not Brother Joseph. C'est lui qui est plus que Frère Branham. The one who is greater than Frère Branham. C'est Jésus Christ lui-même. It's Jesus Christ himself. C'est lui que Branham est préparé. That's the one that Branham was preparing. C'était Christ lui-même. It was Christ himself. Mais le problème ici. The problem here. Jean-Baptiste. John the Baptist. Et Jésus. And Jesus. Dans un même corps. In the same body. Elohim. Elohim. Et Abraham. And Abraham. Dans un même in corps. The same body. Moïse. Moses. Et Joshua. And Joshua. Dans un même in corps. The same body. C'est ce qui dérange les gens. That's what disturbs others. L'homme là c'est Christ. That man is Christ. C'est une personne. It's a person. Frère Branham, il est ici. But Abraham says, he is here. Yes. Un homme. A man. Qui peut allumer la lumière. That can turn on the light. Un homme trop puissant. A mighty man. Il est ici. He's here. Mais si vous voulez le voir. But if you like to see him. Il est dans ma chair. He is in my flesh. Je vais vous dire quelque chose ce matin. I'm going to tell you something this morning. Il y a des temps où Branham parle. Now, there are times when Branham speaks. Il y a des temps où Jésus lui-même parle. And there were times when Jesus himself spoke. C'est difficile? Is it hard? Il pouvait prêcher, il prêche, il prêche. We could preach and preach and preach and c'est preach. Frère Branham qui prêche. That was Branham preaching. En tant qu'un prophète. Being a prophet. En un certain moment, il dit, je l'attends. And a certain moment, he will say, I'm waiting for him. Et maintenant, il est ici. And then he will start saying, now he's maintenant, here. Il ne s'agit plus de votre frère. And then he will change and say, it's no longer about your brother. Mais il s'agit du Seigneur Jésus Christ. He says, now here is your Lord Jesus Christ. He's here right now. Il est ici maintenant même. Mais on le cherche, où est-ce qu'il people est? Were looking for him. Where is he? Il dit, si vous voulez le voir. He said, if you like to see him. Comme Abraham l'avait vu. He said, yes, Abraham saw him. Et quand vous le voyez. And when you see him. Abraham, vous voyez Dieu le Père. Abraham says, you see God the Father. Et quand vous le voyez, and when you see him, c'est ça votre expiation. That is your atonement. Et quand vous le voyez, and when you see him, vous êtes racheté. You are redeemed. Hallelujah. Hallelujah. C'est pour cela. That is why. Quand il a manifesté when he manifested it, il a manifesté ça. He manifested it. Les gens ne comprenaient pas toujours. People still did not understand. Dieu voulait répéter la même chose. God wanted to repeat the same thing. Sa femme aimée lui donne les cadeaux de Noël. Oh, yeah. His wife Mary gave him a Christmas present. Une Bible. Of a Bible. Il donne à Frère Branham une Bible. He gave Branham a present of a Bible for Christmas.
Que ton Bible est ancien. He said that Brother Branham's Bible was too old. Je te donne un nouveau Bible. I'm giving you a new Bible. Frère Branham était content. Brother Branham was happy. Il est parti à Phoenix. Brother Branham went to Phoenix. Dans la convention des hommes d'affaires. In a convention of a business. Plein de pentecôtistes du monde entier. Full of Pentecostals around the world. C'était l'orateur principal. He was the main speaker. Il monte à la chaise. He comes on the pulpit. Il voulait prêcher sur Jean chapitre 16. Brother Branham wanted to preach on John chapter 16. Pour prêcher sur les douleurs de l'enfantement. To preach on birth pain. Il arrive à la chaise. He came on the pulpit. Il ouvre la Bible. He opened the Bible. Il ouvre. He opened. La page là ne se voit pas. The page that Barbara wanted to read was not in the Bible. Il essaye encore. He kept on looking. Rien. For the page is not there. Frère Jacques Mou. He says, Brother Jacques Mou. Comme c'était son ami. It was Barbara's friend. Il dit, mais c'est Jean 16, non? Il dit, he says, John 16. He says, yes. Ça y est ici. It's here. Mais ici, je ne vois pas. He says, but here I don't see it. Il était embarrassé. He was embarrassed. Très embarrassé. Very embarrassed. Et il y avait dans cette convention là, and in that convention, un archbishop de l'Église catholique. There was an archbishop of a Catholic church. Son nom, Archbishop Stanley. His name was Stanley. Il était assis avec ses soutanes. He was sitting there with his cloth, with his clothing. And then he came. Il dit, Frère Branham, mon fils. And he says, Brother Branham, my son. Ne t'en fais pas. Don't you worry. Je pense que Dieu est en train de nous dire quelque chose. Amen. He says, I believe that God is busy telling us something here. Prends ma Bible. He says, take my Bible. Regardez que Jésus n'avait pas lu ça dans sa propre Bible. Now, notice, Jesus never read a scroll in his own Bible. Oh, come on, young people. Come on, young people. C'était la Bible du sacrificateur. It was the Bible of the priest. Et Frère Branham ne devait pas lire ça dans sa Bible. And Brother Branham was not supposed to read it from his Bible. Parce que s'il lit ça dans sa Bible, because if you read it from his Bible, ce serait contraire. It will be contrary. Mais Dieu a fait ça. But God did it. Et l'archevêque a donné la Bible à Frère Branham. And the bishop or the archivist gave Brother Branham his Bible. Et Frère Branham l'a ouvert. Brother Branham took the Bible and et he opened il it. Lit. And he read. Et il a fermé. And he closed il it. Lui a remis. And he gave it back to him. Et la réunion est finie. And the meeting was finished. Frère Branham était parti avec Meda. Brother Branham went with Meda. Il dit Joseph pleurait. He said Joseph was crying. Il faut que tu lui achètes un peu de jambon. You have to buy him sweet. Et Frère Branham m'a dit que Frère Branham j'étais honté. And Brother Branham says to he said to Brother Branham I was ashamed. Chérie, pardonne-moi. He says honey forgive là me. Là où j'étais. Where I was. J'étais très honté. I was so ashamed of c'est myself. Moi qui t'ai donné cette Bible. I'm the one that gave you that Bible. J'ai regretté pourquoi j'ai fait ça. I regretted why I did c'était that. C'était une honte. It was a shame. Frère Branham ne t'en fais pas chérie. Brother Branham says don't worry honey. En ce moment là. He says at that moment. Une voix lui dit. A voice told him. Que Meda ne soit pas responsable de ça. May Meda not be responsible for that. Qui ne soit pas embarrassé. May she not be embarrassed. Dieu. I God. Frère Branham, qu'est-ce que tu as fait, Dieu? But I said, what did you do? Il dit, souviens-toi de Jésus. He says, do you remember the time of Jesus? Au sujet d'Esaïe 61. Concerning Isaiah 61. Quand il est entré dans les synagogues. When he got into the synagogue. Il ne devait pas lire sa Bible. He was not supposed to read his Bible. Parce que c'était le Fils de l'homme. Because it was the Son of Man. Et toi aussi. You also. Tu manifestes le Fils de l'homme. You manifesting the Son of Man. Il a fallu que la Bible ne soit pas ta Bible. The Bible was not supposed to be your Bible. Parce que tu as terminé de révéler la Bible. Because you finished to reveal the Bible. Toi, Branham, tu n'as plus besoin de la Bible. You, Branham, you don't need the Bible. C'est dire à dire amen. Now, what I said is hard to say amen. Toute la Bible est accomplie avec toi. The entire Bible is fulfilled with you. Mais il a fallu. But it had to. Que la Bible vienne du sacrificateur de ces jours. The Bible had to come from the priest of these days. C'est l'archbishop catholique. The Catholic archbishop. Il dit que va prêcher. He said, go and preach. Que aujourd'hui, that today, cette écriture, this scripture, est accomplie. Is fulfilled. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. All things work for good to those that love God. Frère Branham dit même certaines choses qui nous arrivent. Frère Branham says certain things that happen to us. Derrière ça, behind them, il y a une bénédiction. There is a blessing. Je vais entendre un amen à ça. Certaines choses qui t'ont arrivé en 2015. Some of the things that happened to you 2015. Même si c'est ton frère qui a fait ça. Even if it's your brother that did it. Derrière ça. Behind it. Il y a une bénédiction. There is a blessing. Et Frère Branham revient. And Brother Branham comes back. Il prêche. He preaches. Aujourd'hui. Today. Cette écriture. The scripture. Est accomplie. Is fulfilled. Aujourd'hui. Today. Et il dit. And he says. Je vous avais lu l'écriture. I read the scriptures.
avec une douzaine d'évidences. With a dozen of evidences. Que nous vivons dans les derniers jours. That we are living in the last days. La génération. The generation. Qui verra Jésus-Christ. That will see Jesus Christ. Retourner sur la terre. Coming back on the earth. Branham dit aujourd'hui. Branham says today. Cette écriture. This scripture. Est accomplie. Is fulfilled. Mais moi je me demande. I ask myself. Les fins du message. Brothers of the message. Êtes-vous aveugle ou vous êtes muet ou vous êtes sourd? Are you blind or you are deaf or you short-sighted or what? Je vous avais lu l'écriture. But Abraham says, I read unto you scriptures. Avec une douzaine d'évidences. With a dozen of scriptures. Que nous vivons dans les derniers jours. That you are living in the last days. La génération. The generation. Qui verra Jésus. That will see Jesus. Retourner sur la terre. Coming back on the earth. Il dit aujourd'hui. Today. Cette écriture. This scripture. Est accomplie. Is fulfilled. Et vous vous dites c'est pas accompli. And you are saying it's not yet fulfilled. C'est pas accompli. It's not fulfilled. Mais lui dit c'est accompli. But he said it's fulfilled. La génération qui verra les figuiers. The generation that will see the fig tree. Frère Bernard dit les figuiers bougeront en 1946. Paul said the fig tree budded in 1946. Il dit en comptant 40 ans. He says by counting 40 years. Ce qui fait 86. Which makes it 86. Jésus a dit quelque part là. Jesus said, somewhere here, dans cet espace de temps, in that space of time, je viendrai, I shall come, pour apporter le jugement aux nations, to bring judgment to the nations. Quel Jésus vous attendez encore? Now, which Jesus are you waiting for? Celui qui devait venir, the one that had to come, est déjà venu, had come already, en accord, in line with, avec sa promesse, his promise. Il ne devait pas venir avec ce corps. He was not supposed to come with this body. Mais il devait emprunter le corps d'un homme. He had to borrow a body of a man. C'est déjà accompli. It's already fulfilled. Il dit Malachi 4 est déjà accompli. Malachi 4 it's already fulfilled. Il dit Luke 17 30 est déjà accompli. Luke 17 30 is already fulfilled. Il dit Apocalypse 10 est accompli. It says Revelation 10 is already fulfilled. Il dit l'écrit des commandements est accompli. The shout of command is already fulfilled. Il dit réjouissez-vous. He said rejoice. Il dit vous qui êtes à New York. You that are in Europe. Vous qui êtes à Texas. You that are in Texas. Moi j'ajoute. I add. Vous qui êtes à Amen et Tabernacle. You that are in Tabernacle. En Bujimai. In Bujimai. Réjouissez-vous. Rejoice. La parole est accomplie. The word is fulfilled. Je vais attendre un amen à ça. Can I hear amen to that? C'est accompli. It's fulfilled. Les promesses. The promises. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Let us applaud the Lord for that. Maintenant, now, ça c'est avec Jésus. That is with Jesus. Et avec Frère Branham. And Brother Branham. Mais il nous avait donné les prophéties. Now he gave us prophecies. D'un autre homme. Of another man. Qui devait s'accomplir. That has to come to pass. Et l'épouse attendait ça. And the bride was waiting for it. Et lui il est parti en 65. And he went in 65. Et nous attendions ça. And we were waiting for it. On attendait ça. We were waiting for it. Depuis 65. Since 1965. On attendait ça. We were waiting for it. Et tout a commencé, je vais vous dire. Everything started. I'm going to tell you this. Et la bande est enregistrée. And the tape is recorded. Et nous allons le voir le dimanche prochain. And we'll see it also next Sunday. Dans les 50 ans ici. In these 50 years. Remarquez ici. Notice here now. Depuis 65. Since 1965. Jusqu'à 2015. Until 2015. Dans chaque 7 ans, on va le voir. We're gonna see it in each 7 years. Dieu a suscité des auxiliaires à William Branham. God draws auxiliaries to Bro Branham. Nous avons eu des gens comme Edward Frank. We had people like Edward Frank. Sans blague. Without playing or joking. Ils ont travaillé pour le Seigneur. They worked hard for the Lord. Dites amen. Say amen. Nous avons eu des gens comme Joseph Coleman. We had people like Joseph Coleman. Ils ont travaillé pour le Seigneur. They worked hard for the Lord. J'entrerai en profondeur le dimanche prochain. Next Sunday I'll go deep in it. Nous avons eu des anciens ici en Afrique du Sud. We had elders here in South Africa. Les Willie Retief. Willie Retief. Les Sidney Jackson. Sidney Jackson. Les Roscoe. Roscoe. Les George Martin. George Martin. Les Beckett. Beckett. Tout le monde. All those. Ils ont travaillé pour le Seigneur. They worked hard for the Lord. Nous avons eu au Zimbabwe les Jeremiah. We in Zimbabwe we had General Meyer. Les Chesa les Tshisinde. Chesa and Tshisinde. Ils ont travaillé pour they le Seigneur. They worked hard for the Lord. Les Barélien en Suisse. Barélien in Switzerland. Aux États-Unis, Peregrine. United States, Peregrine. Canada, Eddie Biscuit. Canada, Eddie Biscuit. Partout, Collins. Around Collins. Tout le monde a travaillé. Everyone worked. Partout dans le monde. Around the world. Au Congo, ne parlons, ne parlons pas. In Congo, don't even mention au Nigeria, that. Nous avons eu le passé Oudu. In Nigeria, we tous ces anciens du Nigeria. And all the elders in Nigeria. Ils ont travaillé pour le Seigneur. They worked au Gabon, for the Lord. Partout in Gabon, dans le monde. The world.
Au Congo surtout. In Congo especially. C'est le pays où il y a deux tiers des croyants du message. And there you find the two-thirds of believers of the message. Ils sont au Congo DRC. Two-thirds of the message of the Ils ont travaillé pour le Seigneur. They worked for the Lord. Les Mukuna ont fait quelque chose. Did something. Même s'il est tombé dans devenir Dieu. Even though he fell by cette génération là. That generation. Les Baruti. Barutis. Les Dioka Sangulujas. Tous ces anciens, all those les Kayumbibeya, les Vividi, la Malamanyang, toutes ces générations, all those generations, les Boa, les Mobonga, les Banzu, les Monzeli, tous ces gens-là, Monzeli, all those people, les Gédéon, tous ces membres de Congo, and all in Congo, les vieux Chibamba qui s'engagent, les Kon, tous ont travaillé, all of them they worked. Vous verrez ça le dimanche, you'll see it on Sunday, et les young aussi, and the young people also, ils ont travaillé, they also worked. Les Akola ici, the Akola here. Les partout les Tim Smith, the Tim Smith, les Tim Osaka, Tim Osaka, partout les Lifoko, tout le monde ont travaillé pour le Seigneur. Around the world, they work for God. Et vous tous aussi, vous avez travaillé. And you alone also, you worked hard for God. Dans les 50 ans ici, in these 50 years, le message a parcouru le monde. The message went around the world. Plus que le temps de Frère Branham lui-même. More than the time of Brother Branham himself. Qui a apporté ça? Who brought it? Ce n'est pas Branham dans sa chair. It's not Branham in his flesh. Ce sont des hommes de Dieu. Men of God. Est-ce que je dis la vérité? Am I saying the truth? C'est vous et moi. It's you and I. Un grand travail a été a fait. Great work was done. Plus que ce que Frère Branham quand il était vivant. More than what Branham did when he was alive. Les Kalumbu, les Landu, partout les Kalumbu, Landu, ils sont nombreux. Si je ne cite pas vos noms, ils sont nombreux. There are too many. Des auxiliaires de Frère Branham. Auxiliaries of Frère Branham. Et je vais vous montrer de génération en génération. And I'm going to show you generation to generation. Comment ça changeait dans chaque 7 ans. How it changed each 7 years. Mais de nous tous là. Now with all of us there. Même ceux qui ont bien travaillé. Even those même ceux qui ont failli. Even those mais failed. Ils ont essayé de travailler. But at least they tried to work. Je vais entendre l'amen. When I hear amen. Ils ont essayé de travailler. They tried to work. Les papas de Joe ici. The father ce of sont des anciens. The elders. Les vieux Mwamba de Kolwezi. The elders of Kolwezi. Tous ces gens là. All those people. Ils ont amené le message au loin. They brought the message afar. Je vais entendre un amen. When I hear amen. Le travail a été abattu. The work was done. Partout à Malawi. Around in Malawi. J'aimerais citer vos noms partout. I want to name all of you. Mais je suis limité. But I'm limited. Je cite ce que je connais. I'm just naming mais myself. Mais le travail a été abattu. A greater work was done. Et dans ce travail là. And in those work. Nous avons prêché les promesses accomplies en Jésus. Preach the fulfilled promise in Jesus. Et les promesses accomplies au frère Branham. And fulfilled promise by Branham. Le fils de l'homme. The son of man. Toutes ces promesses. All those promises. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Oh, ils ont travaillé. Les bons matins partout. Nous les saluons tous ceux qui ont travaillé. We greet all those that worked hard. Nous saluons tous ceux qui ont travaillé. We salute all those that worked hard. Je vous salue de la bombe. I salute you in the depths. Moi, votre humble frère. I, your humble brother. Je peux oublier vos noms. I can forget your name. Mais vous avez travaillé. But you have done a great work. Ngalibali, le Lubanza, tous ces grands. Albert Mujana partout là-bas. Albert Mujana, all of them. Et tous les peuples de Zabulon. And all the people of Zabulon. Qui ont vu la lumière. That saw the light. Et tous les young people. And all the young people. La dernière génération. The last generation. Nous avons travaillé. We worked hard. Tout le monde a fait quelque chose. Everybody did something. Quand on donne un témoignage divin, when we give a divine on testimony, oublie le côté mauvais. We forget all the evil parts. Je vais entendre l'amen. And I hear amen. Abraham a menti. Abraham lied. Il a commis les erreurs. He made mistakes. Je vais entendre un amen. Can I hear amen? Mais quand Paul a écrit, but when Paul wrote, il a dit il n'a pas menti. He said he never lied. Je donne ici un témoignage divin. Here I'm giving a divine testimony. Malgré les doctrines, tout le monde là ont travaillé. Despite the doctrine, they all worked. Et le nom du messager est parti partout. And the name of the messenger went around. Qu'est-ce que nous avons prêché? What did we preach? Ce qui est accompli en Jésus. That what fulfilled et ce qui était accompli dans notre jour. And also in our days. Les deux aujourd'hui, cette écriture est accomplie. The two of them, this scripture today is fulfilled. Nous avons prêché tout le temps Isaïe 61. Now all the time we preach on Isaiah 61. À la première venue avec Jésus. In the first coming with Jesus. Et à la seconde venue. In the second coming. Apporter le jugement aux nations. To bring judgment to the nations. Même ceux qui ont prêché les fausses doctrines. Even those that preach the false doctrine. Ils ont travaillé. They worked hard. Je vais entendre un amen. I'm gonna hear amen. Je vais dire quelque chose qui va vous scandaliser. Now. I'm gonna say something that will stumble. Même ceux qui ont adoré Frère Branham. Even those that worship the Branham. Ils ont travaillé. They worked. Parce qu'on peut faciliter. Les gens là connaissent le message. Because in a way, those people they know the messenger. Même ceux qui ont prêché la polygamie. Even those that preach polygamy. Ils ont travaillé. They worked hard. C'est la vérité. Is it the truth? Même ceux qui ont amené les photos. Even those that brought us pictures. Même ceux là à l'Okuta, ils ont travaillé. Even though they were false, they worked hard.
Je vais entendre un amen. I want to hear amen. C'était des auxiliaires. They were all auxiliaries. Acclamons le Seigneur pour eux. Let us applaud the Lord for them. Mais, now, but, aucun d'entre nous, none of us, dans ces 50 ans, in these 50 years, a été prédit. Was predicted. Aucun. None of us. Aucun de tous ceux que je viens de citer. None of those which I've mentioned. Même moi qui parle. Even myself speaking. Je n'ai pas été prédit. I was not predicted. Clairement comme ça. Clearly like this. Mais il y a one man. But there is one man. Qui a été prédit. That was predicted. Aujourd'hui on va finir cette histoire. Today we're going to close off that topic. Et le dimanche on va enterrer ça. And then on Sunday next week we're going to bury it deep down. Parce que tous ceux qui ont travaillé ici. Because all those that worked there. Nous tous maintenant. We all. Les combats. The battle. Je salue les vieux Rachel Lusanga en passant. I salute the older men Rachel Lusanga en passant. Les premiers jeunes prédicateurs. Those were the first young preachers. Ils ont travaillé. They worked hard. Mais regardez. But now look. Quand on est arrivé en 2014. When we arrived in 2014. 49 ans. 49 years. Il y a un problème maintenant. Now here there is a problem. Nous tous qui ont travaillé là-bas. We all that worked there. Beaucoup veulent être le remplaçant direct. All of them, they want to be direct replacer. De Frère Branham. Of Frère Branham. Partout, everywhere. Un grand démon est entré. A big demon came in. Au lieu de laisser comme étaient les auxiliaires. Instead of you to remain like auxiliaries. Ils veulent quelque chose de plus haut. They want something higher. Pourquoi? Why? Parce que le message nous a donné de l'argent. Because the message gave us money. Parce que 50 ans ici. Now in these 50 years. Nous avons eu de l'argent. We got money. Nous avons battu des bâtiments. We built buildings. Nous avons eu des peuples. We had on a people. Porté des costumes. We brought, nous we sommes devenus des grands. Suit. We became great men. Mais la grandeur ne doit pas vous amener à la folie. But greatness must not bring you into madness. Et la rébellion de Dathan et Coré. That's the rebellion of Dathan and Coré. Qui consistait. That was about. À s'élever au niveau où Dieu ne t'a pas mis. To rise at a level where God did not position you. Partout dans le monde c'est un esprit. Around the world it's a spirit. Et c'est ça la bataille. And that is the battle. Mais je viens ici maintenant. But I am here now. Pour aujourd'hui cette équité est accomplie d'aujourd'hui. For this today's scriptures is fulfilled of today. Nous n'étions pas prédits. We were not predicted. Je n'en disconviens pas. I do not disagree. Que nous sommes les auxiliaires with de Frère Branham. The fact that we are auxiliary of Brother Branham. Et nous sommes aussi Branham dans la continuité. And we are also Branham in continuity. Ça, je l'accepte. I accept it. Mais pour prendre sa place. But when it comes of taking Brother Branham's place. Il avait prédit son homme. He predicted his one man. Que je sois contre cet homme ou pas. May I be against that man or not? Ce n'est pas moi. It's not me. C'est lui qui a prédit. It's him that predicted. Qui est cet homme là? Who is that man? Vous verrez que cet homme là ne se réclame même pas. You see that that man does not claim himself. Frère Branham a eu des enfants avec hope. Frère Branham had children with hope. Aimez-vous l'histoire de la rédemption? Do you love the story of redemption? Écoutez maintenant. Now listen. Il a eu Billy Paul. He had Billy Paul. Et Sharon. And Sharon. Et Hop est morte. And Hop died, you know, il a épousé Maida. And he got married to Maida. Ils ont eu Rebecca. And they had Rebecca. Quand Rebecca est née. When Rebecca was born. En 1946. 1947. Frère Branham est parti dans un voyage. Frère Branham went in a journey. Il lisait la Bible. He was reading the Bible. L'histoire de Joseph de the la Bible. The story of Joseph in the Bible. Un homme parfait. A perfect ses frères les haïssaient. Frère Branham a pleuré au Seigneur. Frère Branham said, oh Lord. Quel homme parfait. What a perfect man. Il a vécu comme moi, like mais me. Il est parfait plus que moi. But he's perfect. Quel homme, Seigneur. Joseph n'a pas commis des erreurs. Joseph never made mistakes. Quand il pleurait, and when he was praying, la crying, colonne de feu est descendue. The pillar of fire came down. Et la voix a sorti. And the voice came out and said, je te donnerai un fils. I will give you a son. Tu lui donneras le nom de Joseph. And you will give him the name of Joseph. Je te donnerai un autre Joseph. I will give you another Joseph. Remarquez aujourd'hui. Now notice today. Ma naissance à moi. My birth. Et la naissance à nous tous. And the birth of all of us. Nos pères ne lisaient même pas la Bible. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Our même. Fathers perhaps they were not even reading the Bible. I wonder what they were doing. Mais ici. But here now. C'est un prophète confirmé. It's a confirmed prophet. Il méditait la Bible. He was meditating upon the Bible. Il a pleuré. And he cried. Dieu lui dit, God told him, je te donnerai un fils. I will give you a son.
Tu lui donneras le nom de Joseph. And you will give him the name of Joseph. Un autre Joseph. Another Joseph. Et made à sa femme accoucher avec césarienne toujours. And the wife made was giving birth always with cesarean. Et le médecin l'avait dit qu'il ne va plus accoucher. And the doctor told the wife that she cannot give birth no more. Sinon elle va mourir. If she tries that, she will die. Et frère Branham a commencé à annoncer ça partout. And Brother Branham said to announce it all over. Dieu m'a dit j'aurai un Joseph. He said I will have a Joseph. Dieu m'a dit j'aurai un Joseph. God told him I will have a Joseph. Mes frères et sœurs, brothers and sisters, quand Dieu te dit quelque chose, when God tells you something, n'aie pas la honte de l'annoncer à tout le monde. Don't you be ashamed to say it everywhere. Frère Branham was announcing it. Il dit j'attends un Joseph. He said I'm waiting for a Joseph. Dieu m'a dit il me donnera un Joseph. God said he will give me a Joseph. Et il a annoncé ça partout. And he announced it everywhere. Et Meda est devenue grosse. And Meda became pregnant. Quand Meda est partie accoucher. When she went to give birth. Elle accouche Sarah. And then she gave birth to Sarah. Un prédicateur, un grand. A great preacher. Grand comme tous nos prédicateurs. Great like all our preachers here. Il appelle Frère Branham. He called Brother Branham. Frère Branham. Brother Branham. Tu voulais dire Joséphine? When you said Joseph is coming, did you mean to say Josephine? Dieu l'a frappé, il est mort. And then God killed that person. He died. Dites amen. Say amen. La naissance de ce garçon. The birth of that man, that boy. Un grand prédicateur est mort. A great preacher died. Alors, then, Branham dit, Dieu m'avait dit. Branham says, God told me j'aurai un fils Joseph. That I will have a son. Il ne Joseph. M'a pas dit quand. He never told me when I will have the child. Mais je l'attends toujours. But I'm still waiting for him. J'ai dit à Abraham, God told Abraham, tu auras un fils. That you'll have a même son. Même si Ismaël était venu. Even if Ishmael came. Mais Isaac devait toujours venir. But Isaac nevertheless had to come. Hallelujah! Hallelujah! Je vais vous dire quelque chose ce matin. Chaque promesse que Dieu t'a donnée, each promise that God gave you, même si ça tarde, even if it delays, ça arrivera certainement. It will always come to pass. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Le prédicateur là est mort. Preachers, that preacher was dead. Et le médecin a dit frère Branham, Meda va mourir. And the doctor said, Brother Branham, Meda will die. Matrice na yelembi. A womb is already tired. You must close it. Fais-lui les ligatures. Please, you've got to close it. Tous les examens étaient là. All the exams, the tests were there. Je ne crois pas la médecine. But Abraham says, I don't believe in medicine. Si la médecine est contraire à ce que Dieu m'a dit, je ne le crois pas. But Abraham says, if medicine is contrary to what God told me, I will not believe it. Et une sœur pentecôtiste a dit alléluia, alléluia. And a sister pentecôtiste was like, hallelujah, hallelujah. Frère Branham, Brother Branham, Dieu m'a envoyé pour te conduire. God told me to come and go. Mais tu ne m'écouteras pas. But you don't listen. Et ta femme va mourir. And your wife will die. Branham dit Dieu a envoyé Jésus pour me conduire. Branham says that God sent Jesus to lead me. D'abord, une femme ne peut pas conduire un homme. First of all, a woman cannot lead a man. Je m'entends dire amen à cela. Say amen to that. C'est pourquoi moi je n'aime pas que ma femme. Ma femme ne peut pas me conduire. Non, non. That's why my wife can never ever lead me. Never. Un homme ne peut pas être là moi sans obéir dans solo. Non. A woman, you cannot be there. Your wife is pulling you in the nose everywhere you go. No. Je vais entendre la menace. I hear amen to that. Mais la femme, tu dois être conduite par l'homme. But a woman must be led by a man. That's correct. Et il a donné la prophétie dans toutes les radios, les télévisions des États-Unis. They gave the prophecy around the radios of United States in America. Que la femme de Branham va mourir. That the wife of Branham will die. Mais Branham dit never. But Branham said never. Frère Branham, mais elle dit frère Branham. Peut-être Dieu voulait dire que tu auras ça avec une autre femme. Didn't God perhaps meant to say that you'll have it with another woman? Il dit mais dans l'esprit de Sarah commence à t'apprendre. He said maybe the spirit of Sarah turning to get parce qu'Abraham de l'Ancien Testament. Because Abraham of the Old Testament. C'est Branham dans les derniers jours. It's Branham in the last days. Frère Branham a dit non. Branham says never, no. Il ne m'a pas dit une autre femme. He never told me another woman. Il m'a dit j'aurai Joseph avec toi. He said I will have a Joseph with you. C'est moi qui serai le papa de Joseph. I'll be the father of Joseph. Et c'est toi qui seras la maman. And you'll be the mother of Joseph. Hello. Then, grossesse encore. She became pregnant again. Et Meda commençait à avoir peur. And then Meda became scared. Ils ont dit il va mourir. People said she's going to je die. Dit, je vais mourir. Honey, I'm gonna die. Il dit je ne sais pas. But Abraham says I don't know. Il dit bon cette fois-ci c'est Joseph. But is this time Joseph? Il dit je ne sais pas. But Abraham says I don't know. Mais ce que je sais. But what I know. Avant que tu meurs. That before you die. Moi et toi. You and I. Nous aurons Joseph. We'll have a Joseph. Dieu l'a dit. God said it. Alors, and then, ces jours-là, j'ai beaucoup de citations. I've got a lot of quotations here. Meda pleurait.
mother la grossesse a grandi. Les médecins ont dit qu'il va mourir. The doctor said that mother will die. Frère Branham est parti prier. Brother Branham went to cry to pray. Quand il priait, when he was praying, la colonne de fer descendit. The pillar of fire came. Dieu lui dit rentre dans ta Bible. God told him go back to your Bible. Il avait laissé sa Bible dans sa voiture. He left his Bible in la Bible s'est ouverte jusqu'à l'écriture de David. To the scripture of David. Dieu dit à David. God said to David. Ce n'est pas toi. It's not you. Qui construira le temple. That will build a temple. Mais un fils. But a son. Et la voix lui dit Joseph. And a voice told him Joseph. Observe ici. Observe now here. Frère Branham est David. Brother Branham being David. Joseph sera son Salomon. Joseph will be his Salomon. Tous les Joab qui ont servi pendant 50 ans. All the Joab that worked for all the 50 years. Vous avez servi David. You served David. Et vous allez mourir. And you all gonna die. Et c'est David qui dit à Salomon, tue Joab. And it's David that tells to Solomon, kill Joab. Même les sacrificateurs. Even the high priest. Shadok. Shadok. Shadok avait raison. Shadok was right. Il dit mais Salomon ici sa maman c'était une femme adultère. He said, but this Solomon the mother was an adulterous woman. La maman de Salomon c'est Bathsheba. The mother of Solomon is Bathsheba. C'est la femme d'Uri. It was she was the wife of Uri. Et David avait assassiné le mari. David killed the husband. Tu vois comment la pensée charnelle regarde. Do you see how the carnal mind will be looking at it? Mais Dieu a dit j'ai choisi Salomon. But God said I have chosen Solomon. Quand Joab a fui, when Joab ran away, il prend les cornes de l'hôtel. He went to all the horns of the altar. La loi disait que quand quelqu'un prend les cornes, on ne le tue pas. The law said that when a person ran and all the horns of the altar, l'onction de Salomon était supérieure à l'hôtel. But the anointing of Solomon was greater than the altar. On a tué Joab. They killed Joab. Dieu n'a rien fait. God did not do anything. Cette année ici, je vais vous tuer vous tous. This year, I'm going to kill you all. Comme un lieutenant de Salomon. Like a lieutenant of Solomon. Comment on les tue? How do we kill them? Quand on les tue par la parole qui sort de la bouche. But Abraham says, we're going to kill them by the word coming out of the mouth. Et frère Abraham a couru. But Abraham ran. Il dit, chérie. He said, honey. Ne t'en fais pas. Don't worry. C'est Joseph. It's Joseph. Il est en route. He's on his way. Abraham était excité. Abraham was so excited. Et le soir, in the evening time, ils sont partis à l'hôpital. They went to the hospital. On amène Meda. They brought Meda. Abraham souvent les autres grossesses ça prenait beaucoup de temps. Abraham says other pregnancy would take time. Il dit après quelques minutes. He said, after a few minutes only. L'infirmière sort. The doctor il dit frère Abraham, je suis heureux de t'annoncer. I'm glad to announce que tu as eu un beau enfant. That you've got a beautiful son. Il est né avec 7. He is born with 7. C'est tout un chiffre mystère. It's a mystical number. Alors. Then, Branham dit, oh, c'est Joseph. Oh, it's Joseph. Oh, comment c'est Joseph? How is it Joseph? Il dit, c'est son nom he déjà. Says, it's already his name. Lui n'est pas né pour qu'après on lui cherche un nom. He was not born so that afterward they found him a name. Lui, le nom était donné avant qu'il vienne. His name was given before he even came. Branham dit, c'est mon enfant de la promesse. Branham says, that's my child of the promise. Et frère Branham est parti l'embrasser. Then Branham went to il hug dit, him. Oh, mon fils says, Joseph. Oh, my son Joseph. Papa est content de te voir. Daddy is glad of ça fait you. Longtemps que je t'ai entendu. It's been so long that I was waiting merci for you. Merci que tu sois là. Now, this, thank you for coming. C'est un enfant différent. It's a different child. C'est Dieu qui réécrit la Bible. It's God that rewrote the Bible. Et un jour, and one day, il est né en 55. He was born in 55. On est venu le consacrer à l'église. They came to consecrate Joseph. On amena beaucoup des enfants le jour là. They brought many children to Brother Branham that day. Frère Branham a commencé à prier en disant. Brother Branham said to Seigneur, bénis tous ces enfants. He says, bless all these que children. Que parmi eux qu'ils soient des docteurs, many among them become des a doctor, apostles, pour te servir. To serve you. Mais quand il arrive à Joseph, but when he reaches to Joseph, observe now. Il ne les bénit pas ensemble. He does not bless them. Il récupère Joseph. He takes Joseph. Et regardez, il dit. And now listen, et il est béni l'application les esprits séducteurs. And he prays for him on the day when he's preaching the sermon in testing spirit. Parce que dans les 50 ans ici, because in these 50 years, certains auxiliaires seront les esprits séducteurs. Some auxiliary will be deceiving or enticing spirits. Mais nous les enfants de Dieu, but now as children of God, nous ne serons pas séduits. We won't be deceived. Quand il est béni, il dit, now when he blessed them, he says, Joseph mon garçon. He says, Joseph my boy. Je te donne à Dieu. I give you up to God. Puisse ta vie être une bénédiction. May your life be a blessing. Puisse-tu être prophète. May you be, will you be a prophet? Joseph. Joseph. Puisse la grâce de Dieu. May the grace of God.
reposer avec toi. Be upon you. Puisse le Dieu de ton père, may the God of your father, le Seigneur Jésus Christ, the Lord Jesus Christ, te bénir à jamais, bless you forever, et faire de ta vie, and make of your life, une bénédiction, a blessing, pour les autres, for others. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. Dans les 50 ans ici, in these 50 years, tous ceux qui ont dit que, all those that say, la vie de Joseph, that the life of Joseph, le dérange, is disturbing them, c'est le diable, are devils. Sa vie sera une bénédiction. His life will be a blessing. Et l'enfant commençait à grandir. And the child started to grow. Et quand il a eu 4 ans, and when he was 4 years remarquez old, Frère Branham dit ici, now note what Branham toujours dans sa idée, still here he says, Père, je ne peux pas dire ainsi. He says, Father, I cannot say tu like connais this. Mon cœur. You know my heart. Quand mes jours seront terminés, when my days will be over, j'aimerais voir le petit Joseph. I want to see this little Joseph devenir un homme, to become a man, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main, so that I can place this Bible upon his hands. Car le jour de sa consécration, because for the day of his consecration, tu as parlé, you spoke. Ngai Branham dit, not I Branham, toi, you, tu as parlé, tu you as dit, spoke and said, Joseph, Joseph, tu es un prophète, you are a prophet. Un pasteur a dit, the pastor said, c'est Frère Branham qui avait parlé. That was Branham speaking. Ici, here now, Branham dit, je ne connaissais pas ce que je disais. Branham says, I do not know what I was saying. C'est toi Dieu qui a dit. You God said, Joseph, that Joseph, tu es prophète. You are prophet. Il dit, he said, d'une manière ou d'une autre, in a way or another, à l'heure de la consécration de ses petits à l'autel, in the moment of the consecration of this little boy, l'inspiration était venue pour dire, the inspiration came and said, Joseph, tu es prophète. Joseph, you are prophet. Il a commencé à grandir. Now, he started to grow. Quand il a eu 4 ans, when he was 4 years old, il avait un esprit difficile. He had a difficult spirit. Banam dit ici que, Banam says here, Joseph ne s'attend pas avec ses amis. Joseph does not get along with his parce qu'il est un leader. Because he's a leader. Et quand il est né, and when he was born, les frères de l'Afrique du Sud, brothers of South Africa, les frères Thomas, Brother Thomas, et les frères de Durban, and brothers from Durban, ils ont cousu une robe. They saw a dress à 5 couleurs. With 5 ils ont payé le bateau. They put it in a boat. Ils ont amené ça au grand tabernacle. And they Frère Banam, que Dieu bénisse les Africains. Baron says that may God bless Africans. Il dit, ils ont envoyé une robe à 5 couleurs. They sent a robe parce que 5 c'est 5. Because 5 je is vais le revêtir. I want to dress him. Africain l'aime. African love him. Dites amen. Say amen. J'ai aimé ce que tu as dit là. I love what you say. Tu l'aimes, n'est-ce pas? You love. Nous l'aimons. We love him. Alors, then, quand il a commencé à grandir, when he started to grow, à l'âge de 4 ans, when 4 he was ans, only 4 years, il dit, papa, he says, daddy, David Bankswood, David Bankswood, il va tomber dans les bicyclettes et il va se blesser. To fold the bicycle, ce serait grave. It will be bad. Il dit, mon fils, he says, my son, tu as rêvé? Il dit, non, it, says, je viens de voir ça he tout says, de suite. I have just seen it now. Frère Branham dit que Joseph voit déjà des visions. Abraham said that Joseph could see already visions. Et ses visions sont l'insu du Seigneur. And he said that his visions are a gift from the Lord. Il a un don qui vient de son père. He said he has a gift that comes from his father. Je vais entendre un amen. When I hear amen. Première vision à 4 ans. First vision when he was 4 years old. Pas les visions de vase. Not vision of those that have got vessels. Oh, hey, non. Oh, hey, Les visions d'un prophète. Visions of a prophet. On ne devient pas un prophète. We don't become a prophet. Dieu dit dans la Bible. God said in the Bible. À Jérémie. To Jeremiah. Depuis le ventre de ta mère. From your mother's womb. Je t'avais prédestiné. Prophète. Prophet. Lui prédit avant même qu'il vienne dans le ventre. He predicted before he even comes in the womb. Il dit, son don vient de son père. He says his gift comes from his father. Et Frère Branham a dit, Branham says, j'ai prié que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a donné. I pray that God takes the spirit that he gave. Qu'il mette la double portion sur mon fils May Joseph. May he put the double portion of it upon my son Joseph. Pour briller la lumière lorsque je m'en irai. To shine the light when I will leave. Billy c'est un garçon bien. Billy is a good boy. Mais il n'était pas appelé dans le ministère. But he was not called in the ministry. Billy Paul n'a pas été appelé. Billy Paul was not called in the ministry. Maintenant, je ne vais pas partir. Now I don't want sans to go. Qu'il y ait quelqu'un qui prendra ma place. Unless there is someone that will take my place. Et Joseph prendra ma place lorsque je m'en irai. And Joseph will take my place when I will go. Que les croyants du message disent amen. Let the believer of the message say amen. La reine de Séba. The queen of Séba. Puisse Dieu assister. Now
May God assist. Et mettre le petit Joseph. And put this mon Joseph, petit garçon ici à ma place. In my place. Il prendra ma place. He will take my place. Pour continuer mon ministère. Si je dis tard. If I leave. Il dit j'ai deux buts pour vivre. He said, I have two purposes to live. La première, the first, c'est de prêcher l'évangile. Is to preach the gospel. Et vivre pour Christ. And to live for Christ. Et pour mon ministère. And my ministry. Le second, the second one, je voudrais vivre longtemps. I want to live longer. Que je puisse voir Joseph, so that I may see Joseph devenir un ministre. To become a minister. Prendre l'esprit que je lui laisserai. And to take the spirit that I want to live upon him. Puisse mon esprit venir sur may lui. May my spirit come upon him. Lorsque je l'ai consacré à Dieu, when I consecrated him to God, il avait 10 ou 15 enfants. L'Esprit du Seigneur m'a saisi. The spirit of the je dis que Joseph, tu es prophète. And I said, Joseph, laisse que mon prophet. Esprit puisse venir en lui en double portion. May my spirit come upon him in double portion. Il prendra ma place, he will take my place quand Jésus tarde. When I will go. Je crois que maintenant que tellement mon jeune garçon, I believe that my young boy, il prendra ma place, he will take my place quand Dieu m'appellera sur cette terre. When God will take j'ai la ferme assurance. I've got assurance. Les dons prophétiques that they reviendra sur lui. Will come upon Joseph, Joseph, quand je partirai, when I will leave, Dieu continuera le ministère. God will continue the ministry. Tu vas entendre amen. And I hear amen. Je crois que beaucoup est bien. Now, well, il est encore enfant. He's still a child. Mais Dieu l'a appelé. But God called him. C'est la raison pour laquelle the reason why des gosses ont du mal à s'attendre avec lui. His friends has got a hard time to get il along with him. Leader. He is a leader. Joseph, mon fils. Joseph, my son. Peu importe. No matter. Qui sera contre toi? Who will be against le you? Le Dieu de ton père. The God of your father. Lui sera pour toi. Will be always for you. Je m'attends un jour à le voir. I'm waiting for one day to quand wait, il viendra du haut de cette chaîne. He coming upon this pulpit. Il prêchera la parole. He will preach the word. Il continuera mon ministère. He will carry on my ministry. Joseph prend. Ma place. Joseph will take my place. Quand je m'en irai. When I will leave. Croyez-vous que frère Branham c'est un prophète? Do you believe Branham is a prophet? Il n'a pas dit quelqu'un d'autre. He never said somebody else. Et ce n'est pas Branham qui dit ça. And it's not Branham that said it. C'est Dieu. It's God. Et depuis ce temps-là. And from that moment. On va terminer ici. We're gonna close here. Frère Branham un jour. One day Branham. L'amène à la chasse. Brought him for hunting. Branham était au-dessus de lui. Branham was above him. La colonne de fer descend. The pillar of fire came down. Frère Branham a levé la main. Branham lift up his head. Lui aussi. Him also Joseph. Sans voir son père. Without seeing his father. Conduit par Dieu. Led by God. Lui aussi lève la main. He also lift up his hand. Un garçon inspiré. Vous le voyez? An inspired boy. Joseph. Joseph. Un jour. One day. Dans la maison. In the house. Billy Paul avait. Billy Paul claimed. Il dit papa. He said, Daddy, Joseph will rule over us. Joseph will rule over oui, us. He said, yes, Joseph will rule over you. Rebecca est venu. Rebecca came. Il dit, il régnera sur vous. He said, yes, Joseph will rule Sarah over you. Sarah est venu. Sarah il dit, came. Joseph régnera sur vous. He said, Joseph will rule over you. C'est un prophète. He is a prophet. Et cet enfant-là a commencé à grandir. And that boy started to grow. Et Allah, en 1981, and in 1981, il s'est converti maintenant. He converted himself. Il a commencé la voix de Dieu. He started the voice of God. Il a commencé à distribuer le message. He started to distribute the message. Il est venu même visiter le Congo, notre he pays. Came to visit the est-ce qu'il y a la photo là? Do you have that picture? Montrez-moi ça parce que je vais revenir le dimanche. I want to come back on it on Sunday. Mbombo l'a reçu. Maman, maman, tu vois pourquoi vous êtes béni? Ils l'ont reçu avec Billy Paul là-bas. He left him with Billy Paul. Voyez-vous cela? You see that now? Et il a commencé la voix de Dieu. And he started the voice of God. Et jusqu'à ce que, and until arrivé en 2000, in 2000, il dit je vais mettre de l'ordre. He says, I'm going to put order dans la traduction. In the transition. Les frères du message, brothers of the message ont commencé à s'opposer contre lui. Started to oppose Joseph. On commençait à l'insulter. They started to insult him. Écoutez, frère Branham. Listen to Brother Branham. Vous pourriez dire n'importe quoi à mon sujet. He said, you can say whatever you want to say about ce n'est pas grave. It's not bad. Peu importe ce que vous dites. No matter what ne you parlez say. Pas au mal de mes but enfants. Don't you speak evil about my children. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Il dit, si vous m'aimez, he said, if you love me, aimez mes enfants. Love my children. Je vais entendre un amen. On a hear amen. Et regardez que depuis lors. Now look, since then. Il a distribué la nourriture. He's been distributing the food. Les bandes et les brochures. Tapes and brochures. Toutes ces années-là. All those years. Projetez-moi ça. Project it to me. Il n'était pas pasteur du Branham Tabernacle. He was not pastor of Branham Tabernacle. Il venait comme tout simple frère. He was coming like all other brothers. Mais les gens avec révélation. But people with revelation. Savaient. They knew.
que lui, that him, un jour, one day, il prendra la place. He will take the place. Un ancien ici a dit, an elder here said, it was the witch. C'était juste un souhait. Menteur. You're such a liar. Le souhait d'un prophète. The wish of a prophet. C'est la parole de Dieu. Is the word of God. Je vais entendre un amen. All right, here, amen. Remarquez, projetez-moi très bien. Now project it very well. Les quatre pasteurs là. The four pastors. Quand frère Branham est parti. When Brother Branham left. Neville est devenu pasteur. Neville became pastor. Neville a démissionné. Neville est parti, il est mort. Neville went and he died. Tu vois? See now. Remarquez le mystère ici pour now, vous. Notice the mystery here for you. Branham dit que. Branham said. Ce que Dieu fait dans la parole, je ne sais pas si vous le voyez très bien. I don't know if you can see it clearly. Mais vous fermez la fenêtre là. Ce que Dieu fait dans la parole. What God does in the word. Satan aussi le fait au Vatican. Satan also does it in Vatican. Parce que c'est l'esprit de Christ. Because the spirit of Christ. Et de l'Antichrist. And the Antichrist. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Frère Branham, quand il était vivant. When Brother Branham was alive. Le prophète de Dieu. The prophet of God. Le pape, c'était Paul VI. The pope was Paul VI. Je vous ai enseigné ça ici. I taught you this. Il prend le nom de Paul. He took the name of Paul. Mais c'est un faux Paul. But he's a false Paul. Et son nom, c'était Giovanni Battista. And his name was Giovanni Battista. Jean Baptiste. John the Baptist. Mais le faux. But the false one. Frère Branham était le vrai Jean Baptiste. The Brother Branham was now the true John Baptist. Précurseur de la seconde venue. The forerunner of the second coming. Et Frère Branham était le vrai Paul. And Brother Branham was the true Paul. Il dit, j'ai prêché comme Paul. He said, I preach like Paul. Si c'est de Paul entre. If those of Paul goes in. Le mien aussi entrera. Mine also shall go in. Si vous le croyez, dites amen. If you believe, say amen. Quand Frère Branham part. When Brother Branham goes. Neville devient pasteur. Neville become pastor. Après ça. And then afterward, ils ont voté Jean-Paul 1. They voted John Paul 2. Il n'a pas travaillé. He never worked. On ne peut pas le compter. And then they il a fait 33 jours. And then he did 33 il n'a pas travaillé. And never worked. C'est Jean-Paul 2 qui a pris. And it's John Paul 2 that took over. Neville était pasteur. Neville was a pastor. Et après quand Neville est mort, and after when Neville went away, Collins s'est devenu pasteur. Collins became a pastor. Et après Collins, là, after Collins, le Vatican a voté Benoît 16. The Vatican voted Benedict 16. On l'appelait un pape de transition. They called him a pope of transition. Et on appelait Neville aussi un pasteur de transition. And Neville also was called a pastor of transition. Ça marche ensemble. Now, see, it works hand in hand. Et remarquez que now, notice, en 2013, in 2013, Benoît 16 démissionne. Benedict 16 resigned. François devient pape. Francis became the pope. Neville est passé. Neville is gone. Quelques années après, en 2015 ici. Few years after here. Collins a démissionné. Collins also resigned. Quand il démissionne. When he resigned. François part aux États-Unis. Francis go to United States. Quand il arrive aux États-Unis. When he reaches United States. Le vote a commencé. Vote started. Les préparatifs du vote. Preparation of the vote. Et au mois, le mois passé. Last month. On vote Joseph. Joseph was voted. Qui devient pasteur. That becomes a pastor. Frère Branham avait dit quoi? What did Brother Branham say? Quand je partirai. When I will go away. Si l'enlèvement tarde. If the rapture delays. Mon fils Joseph. My son Joseph. Prendra ma place. Will take my place. Il a pris la place de Frère Branham. He took the place of Brother Branham. En tant que pasteur. As a pastor. Du Branham Tabernacle. Of the Branham Tabernacle. C'est un grand signe pour nous. It's a great sign for us. Notre quartier général. Because our headquarters. Ah, maintenant l'homme que Branham avait prédit. Has got now the man which Branham predicted. Cela doit réveiller l'épouse. It has to awake the bride. Que tous les souhaits que Branham avait dit aussi à ton sujet s'accompliront. And all the wishes that God said upon you also will come to pass. C'est un signe du départ. It's a sign of departure. Et remarquez une chose ici. Now notice one thing here. Il ne remplace pas Branham en tant que messager porteur de la parole. He does not replace Brother Branham as a messenger bearer of the word. Il n'est pas le huitième messager. He is not the eighth messenger. Comment on va prouver ça? How can we prove that? Quelqu'un dira en quoi il le remplace. Branham says, somebody will say, in what does he replace Brother Branham? Frère Branham a eu trois grands apogées. Brother Branham had three. A level of thing that en he was 1933, in 1933, il était pasteur du Branham Tabernacle. He was the pastor of the Branham Tabernacle. Si vous comprenez, dites amen.
If you understand, say amen. En 46, in 46, Dieu lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. God told him, do a work of an evangelist. Évangélise le monde. Evangelize the world. Il dit, je ne suis pas un évangéliste, says, mais je fais l'œuvre là. But I'm doing the work of an evangelist. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et en 63, and il a été confirmé, he was confirmed comme un prophète, as a prophet, révélateur de la parole, the revealer of the word. Joseph le remplace dans ça. Now, Joseph replaces him in that. En commençant par l'avant. By starting forward. Un prophète, the prophet, qui remplace son père prophète. That replaces his father prophet. Avec la voix de Dieu. With the voice of God. Il évangélise le monde entier avec les brochures. He evangelized around the world with the brochures. Et en 2015, and in 2015, il le remplace comme un pasteur. He replaces him as a pastor. Maintenant la question sera posée dans tous les frères des États-Unis et du Congo. Now, the question will be asked to all the brothers in the United States and in Congo around the world. En tant que pasteur, frère Zakola, as a pastor, brother Zakola, nous acceptons ça. We accept it. En tant qu'évangéliste, remplace frère Branham. As an evangelist, replace brother Branham. Il a évangélisé en distribuant les brochures. He evangelized. C'est le ministère de frère Branham. That's the ministry of brother Branham. La voix de Dieu. The voice of God. C'est frère Branham évangéliste dans la continuité. But Branham evangelizing in a continuity. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you believe it, say big amen. Mais en quoi il le remplace comme un prophète? But in what is he replacing him as a prophet? J'ai vu tous les pasteurs sont maintenant d'accord. I saw all the pastors now agreeing. En tant que pasteur, nous l'acceptons. As a pastor, we accept. Il est pasteur au Branham Tabernacle? Is the pastor Branham Tabernacle? Zakola est pasteur, amen. Zakola is a pastor, amen. Il n'a pas les ordres à donner ici. He does not have orders to give. Pas de problème, c'est un collègue. Is a colleague. Mais il n'est pas seulement collègue. But he's not just a colleague. Il est le pasteur du quartier général. He is the pastor at the headquarter. Tu veux entendre un amen? When I hear amen. En tant qu'il a évangélisé, as an evangelist, oui, il a distribué les brochures. Distributed the brochures. Nous aussi on a évangélisé. We also evangelize. Mais en quoi il le remplace comme but prophète? In what is he replacing him as a prophet? Écoutez pour terminer. Now listen to close up. Les types ne trompent pas. Types do not deceive. Tu veux entendre un amen? When I hear amen. Au temps d'Élie, je termine par là. No, I'm closing here. Élie a dit, je suis resté seul. Elijah said, I remain alone. Dieu a dit, tu n'es pas resté seul. God said, you did not remain alone. J'ai encore 7,000. I still have 7,000. Et Frère Branham prêche 1 sur 1 million. And Frère Branham preached a sermon 1 into 1,000. Le monde a atteint 7 milliards. Now the world has reached 7 quand billion. Quand vous faites 1 sur 1 million de 7 milliards. When you do 1 into 7 billion of 1 sur 1 million de 7 milliards. 1 into 1 billion of 7 ça billion. Ça fait exactement 7,000. It's exactly 7,000. Les 1 sur 1 million que Dieu avait réservé pour le ministère d'Élie. 1 into 1,000, which God reserved for the ministry of Elijah, 7,000. C'est arrivé l'année passée. It came to pass last year. Et quand Élie est arrivé à ça, and when Elijah reached into that, remarquez, now notice, Dieu dit à Élie, God told Elijah, avant que tu sois enlevé, before you are raptured, tu vas faire trois choses. You're gonna do three things. Tu viendras Élisée, you're going to anoint Elijah, prophète, prophet, à ta place, at your place. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Et tu viendras Azaël, you'll also anoint Azaël, roi de la Syrie, king of Syria. Et tu viendras Jéhu, and you'll anoint Jéhu, roi d'Israël, king of Israel. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, the one that will escape the sword of Azaël, Jéhu le fera mourir. Jéhu will kill him. Celui qui échappera à Jéhu, the one that will escape from Élisée le fera mourir. Elisha will kill him. Oh, servez ici église, ne manquez pas ceci. Here, don't you like this? La commission était donnée à Élie. The commission was given to Elijah. Pas Élisée, not Elisha. Élie, Elijah. Et Dieu dit avant que tu sois enlevé. Now, God told him, before you are raptured. Mais observez. Now observe. Élie est parti. Elijah went. Il a seulement oint Élisée. He only anointed Elijah. Élisée a eu la double portion de son esprit. Elijah received a double portion of his spirit. Et Élie est parti. And then he left. Il n'a pas fait les deux choses. He did not do the two other things. Est-ce que Dieu avait menti? Did God lie? Non. No. Élisée l'a remplacé. No, Elisha replaced him. Il est parti oindre Azaël. He went to anoint Azaël. Il a pleuré. He cried. Il dit le mal que tu feras à Israël. The evil that you do to je fais de toi roi. I make of you king. Et la même Élisée, the same Elisha, il a pris la corne d'huile. He took a horn of oil. La Bible dit il a donné à un jeune homme qu'on ne connaît pas le nom. Now,
The Bible says that he took the horn of oil and gave it to a young man which we Mais le jeune homme la courait vite. Now the young man was running fast. Et le jeune homme est parti dire à Jéhu. And he went to tell Jéhu. Ainsi dit le Seigneur. That said the Lord. J'ai fait de toi roi. I make of you king. La même commission de frère Branham. The same commission of Brother Branham. Après frère Branham. After Brother Branham. Il y aura pas un autre messager. There will not be any other messenger. Dites un grand amen à cela. Say big amen to Joseph n'est pas un messager. Joseph is not a messenger. Aucun pasteur n'est un huitième messager. No pastor is a eighth messenger. Commission, c'est la commission de Branham. The commission is the commission of Branham. C'est sa commission qui finit le monde. It is his commission that finishes the world. Je vais entendre un grand message. And I hear big amen to that. Mais Dieu avait dit à frère Branham. But God told Branham. Quand il était vivant. When he was alive. Tu feras des choses. You will do two things. Tu vas magasiner la nourriture. You will store up the food. Ici au Branham Tabernacle. Here in the Branham Tabernacle. Et quand il y aura la famine. And when there will be famine. Toi Branham. You Branham. Tu te tiendras ici. You will stand here. Tu vas distribuer. You will distribute. Frère Branham a magasiné. But Branham stored up the il est parti le 24. And when the 24. Il n'a jamais distribué. He did not distribute. Or Dieu lui a dit que. While God told him. Je te donne un fils. I'm giving you a son. Joseph. Joseph. Qu'est-ce que Joseph de la Bible faisait? What was the Joseph of the Bible doing? Il distribuait le blé. He was distributing the wheat. Au temps de la famine. In the time of famine. Et il dit que Joseph va prendre ma place. And he says Joseph will take my place. Quelle place Joseph Which prend? Place does Joseph take? Joseph ne peut plus rassembler la nourriture. Joseph cannot store up the food anymore. Il ne peut plus prêcher un message. He cannot preach another message. Cette partie, le frère Branham l'a déjà That's fait. But Brother Branham has done it already. Il ne peut plus révéler la parole. He can no longer reveal the word. Il t'en ramène. Mais la deuxième partie. But now the second part. Que Branham devait faire. Which Branham had to do. Et il n'a pas fait. And he did not do. Dieu prend Joseph. God takes Joseph. Il remplace Branham. And replaces Brother Branham. Comme un distributeur. As the one distributing. De la nourriture. The food. Et j'ai une information dure. And I've got a heart flashing. De la même manière. Of the same way. Quand Branham a magasiné. Brother Branham was storing up the food. Quand il t'oppose à Branham. When you oppose Branham. Tu es le diable. You are the devil. Dites un grand amen. Say big amen. Quand Joseph distribue, when Joseph also distributes, quand tu t'opposes à lui, when you oppose him, dans la distribution, in distribution, tu es Satan incarné. You are Satan incarnated. Je veux entendre que les croyants puissent dire amen. I want the believers to say amen. De la même manière, mes frères. The same manner. Et Satan ne vient pas comme vous pensez. And Satan does not come. Satan what you c'est un homme saint. Satan is a holy man. Pouvez-vous imaginer quand Frère Branham a magasiné un cerf d'audit? Can you imagine said Odi when Babana was telling me? Je ne crois pas ça. A person said, I don't believe that. Ça c'est faux. That's false. Nous savons que c'est le diable. We know that it's the devil. Je vais entendre un amen. And I hear amen. Bon, de la même manière. The same way now. Quand Joseph le remplace. When Joseph now replaces pas him. Pas pour révéler la parole. Not to reveal the word. La parole est déjà révélée. The word is already revealed. Mais lui c'est la partie. But he is now the part. De distribuer. Of distributing. La moine à main, il va vivre, va petit, va nani. Tout le monde va te voir à l'ingala. N'a qui ne besoin de la bande. Now, all of you that are waiting for the depths, qui que vous soyez, whomever you can be, le jour où tu verras Zakola, the day you see Zakola, Amélie Bangu, je ne sais pas quoi, he smoked weed or whatever, commencez à s'opposer à Joseph, and try to oppose Joseph. Quand il traduit, when he's translating, Zakola devient un démon. Zakola becomes a demon. Je vais entendre le croyant dire amen. I want the believer to say amen. Quand Joseph est dans sa position, when Joseph in his position, de distribuer le blé, of publishing the food, toutes les instructions qu'il donne, all the instructions that he gives, nous on obéit à ça, we obey to that, parce que c'est ça sa place, because that is his place. À mon endroit, lui-même aussi on lui pose. They ask him a question. Tu remplaces ton père en quoi? How do you replace your father? Il dit seulement dans la distribution. He answered and says, only je suis pour publishing and distributing. Today I'm a prophet. Et le monde entier doit m'obéir. And the whole world must obey me in that. Quelqu'un qui n'obéit pas. A person that does not obey. C'est un démon. He is a demon. Si tu as un mari qui n'obéit pas à sa mère, tu as droit de la chasser, de divorcer avec elle. If you have a wife that does not believe these things, you got a right to divorce with her. Pour garder la parole. To keep the word. Mais tu ne te remaries pas. But you don't get married. Parce qu'une femme ne se remarie pas après le divorce. Sisters, you don't get married after you divorce. Si tu as une femme qui n'obéit pas à ça. If you've got a wife that does not obey to this. Tu as une mauvaise vie à la maison. It's a bad life at home. Tu as le droit de la chasser. You've got the right to chase her. Et l'homme peut se marier. But a man can get married again. Ça devient maintenant le dernier bataille. Now it becomes.
becomes the last battle. Vous verrez maintenant le dimanche tous les démons qui étaient ici. Now on Sunday you're going to see now all. Dans les auxiliaires ici vous allez voir les démons. The auxiliaries you're going to see all the demons. Aujourd'hui je les ai loués. Today I only. Les dimanches on va voir qui étaient des démons. Now today I praise them. Next week Sunday we'll see who are the demons. Vous avez pensé que les démons ce sont ceux qui sont tombés. You thought that demons are those that had fallen. Avec des femmes. With women. No. Oh, vous allez voir les vrais démons. You see the true demons here now. Même ici ne sont pas tombés. Even if they never fall. Ce sont les vrais démons. They are true demons there. Vous allez les découvrir. You will discover them. Vous voyez? You see now? Taho, mon fils, tu as 25 ans. Boy, même si un jour je ne serai pas là, ne t'opposez pas à Joseph. Don't you ever oppose Joseph. Amen. Quand il traduit les brochures. When he translates the books. Amen, tabernacle, écoutez-moi. Amen, tabernacle, listen même to si me. Un jour je ne serai plus pasteur. Even if one day will not be a ne pastor. Ne vous opposez pas à Joseph. Don't you ever oppose Joseph. Quand il traduit la parole. When he is translating the word. Et ne recevez pas un pasteur. And don't you receive a pastor. Qui s'oppose à Joseph. That oppose Joseph. C'est un démon. It's a demon. Je vais entendre les croyants dire amen. I want believers to say amen. Il est là dans sa position. He is there in his position. Billy Paul qui a vu l'ange. Billy Paul that saw the angel se of the soumet. Lord. He is submitted. Frère Coleman s'est soumis. But that Coleman was submitted. Et nous les young on s'est soumis. And as the young people also subject to him. Dites amen les young people. Say amen young people. Il est le remplaçant. He's the replacer. Nous on est les auxiliaires. We are auxiliaries. Mais lui il est le remplaçant. But he is the replacer. One man que vous cherchez c'est lui. The one man you're looking for is him. Ah, que Dieu soit loué pour la sœur. God be blessed for the sister. C'est pourquoi nous disons ce matin. That's why we're saying here this morning. Il est prophète. He is a prophet. Oh, il va prêcher quand? Oh, when is he going to preach? Il remplace. He replaces. Il distribue him. La nourriture. He is distributing the food. Comment est parti là-bas? Chaque semaine, il prêchait dans la voix de Dieu. Comment went there? Every week he preaches in the voice of God. Mais il attendait. But he was waiting. De devenir pasteur. To become a pastor. Et il n'est pas devenu en désordre. And he did not become it in disorder. Comme Benoît XVI a démissionné, Benedict François prend. François dit, moi je ne fais que l'œuvre de Paul VI. He says that I'm only regarde, regarde François. Regarde François. Look at Francis. François dit que Francis. Pas Jean-Paul Benoît XVI. Francis says now. Pas Benoît XVI. Not Benedict XVI. Pas Jean-Paul II. Not Jean-Paul II. François fait seulement l'œuvre de Paul VI. Francis just won the work of Paul VI. Quand Joseph devient. When Joseph becomes. Pas Collins. Not Collins. Pas Neville. Not Neville. Lui fait seulement l'œuvre de Frère Branham. We just want to do the work of Brother Branham. Et nous disons à tout le monde. And we also tell everyone. Je vous avais lu l'écriture. I write unto you scriptures. Depuis que j'étais à Rigini. Since I was in Rigini. Comme young people. As a young people. Que nous sommes dans les derniers jours. That we are in the last days. La génération. The generation. Qui verra Joseph. That will see Joseph. Du haut de la chair. Upon the pulpit. Aujourd'hui. Today. Cette écriture. This scripture. Est accomplie. Is fulfilled. Devant nos yeux. Before our eyes. Et nous nous réjouissons pour and ça. We rejoice for it. Parce que quand Élisée est à la place. Because when Elijah is in his place. Là les jeunes gens savent. Then the young people know. Que Élisée va nous oindre. That Elijah will anoint us. Quand Joseph devient pasteur. When Joseph become a pastor. Vous verrez l'année prochaine. You'll see next year. Il va oindre beaucoup de gens. He will anoint a lot of people. Et nous attendons à cette onction. And we're waiting upon that anointing. Et nous allons courir. And we're going to run. Pour dire ainsi dit le Seigneur. To say that said the Lord. Parce que Poutine c'est la Syrie. Because Putin was sorry. Elle est déjà placée. And it's already placed. Aujourd'hui. Today. Cette écriture. The scripture. Est accomplie. Is fulfilled. Vous qui êtes à Boxburg. You that are in Boxburg. L'ancien pensait the que. The elder thought that. C'était un souhait. It was a wish. Ce n'est pas un souhait. But it's not a wish. Aujourd'hui. Today. Cette écriture. The scripture. Est accomplie. It's fulfilled. Vous qui êtes en Boujimaï. You that are in Boujimaï. Je salue le pasteur Kayumbi. I greet Pastor Kayumbi. Et ceux qui sont aux Zoé. And those that are in Zoé. L'ancien Vibidila. The elder Vibidila. Et ceux qui sont au tabernacle. And those that are in the tabernacle. Réjouissez-vous. Rejoice. Aujourd'hui, for today, cette équité est accomplie. The scripture is fulfilled. À Paris, in Paris, le vieux Arthur, the brother Arthur, je vous salue. I greet you avec tous les saints, with all the saints, de Shalom, of Shalom. Aujourd'hui, today, c'est accompli. The scripture is fulfilled. Ceux qui sont à Kinshasa, those that are in Kinshasa, les passés loquois, passés loquois, Kalumbu, Kalumbu, tous ceux qui croient, all those that believe. Aujourd'hui, today, cette écriture, the scripture, est accomplie. It fulfilled. Ceux qui sont à Cape Town, those that are in Cape Town, Beckett, Beckett, Banzu, Banzu, tous les autres, and all the rest, la parole est accomplie. The word is fulfilled. Oh, c'est in the United States, nous saluons we greet Joseph, Joseph le pasteur, pastor de notre quartier of our général. Headquarters. Ta
venu à la chair. Coming on a puppet. Nous us. Dallas. Sarah et Thierry. Sarah and Thierry. Nous vous saluons. We salute you. Oh, à Montréal. In Montréal. Les pasteurs. Pastor. Ceux qui sont là-bas. Those that are there. Nous vous saluons, Pastor Ferguson. Salute Pastor Ferguson. Et tous les saints. And all the saints. Aujourd'hui. Today. L'écriture est accomplie. The scriptures fulfilled. Partout dans le monde. Everywhere in the world. Réjouissez-vous. Rejoice. Ça, c'est une grande chose. It's a great thing. 50 ans après, 50 days after, il devient pasteur. He becomes a pastor. C'est une prophétie. It's a prophecy. Qui oint l'épouse. That anoint the bride. Et Branham avait dit. And Branham said, quand mon fils, when my son, deviendra pasteur à la chair, pastor on the pulpit, en ce moment-là, that moment, le millennium sera là. Will be there. Parce que, because Branham est David. Branham vous dites David. Amen. You say amen. Frère Joseph Branham est Salomon. Joseph Branham is Solomon. David c'est l'enlèvement. David is the rapture. Salomon c'est le millénium. Solomon is the millennium. Joseph est Isaac. Joseph is Isaac. Et nous tuons tous les Ismaël. And we kill all the Ishmaelites. Ismaël était l'enfant d'Abraham. Ishmael was the child of Abraham. Mais lui son problème. But his problem. Il s'opposait à Isaac. He was opposing Isaac. Tous les Ismaël vont être chassés. Ismael will be chased out. Et leurs mères, c'est-à-dire leurs églises. Even them churches. On les renvoie en Égypte. Which send them back to Egypt. Et l'Égypte c'est le monde. And Egypt is the world. La semaine ne rit pas avec là-bas. The sea shall not rit with the shark. Abraham dit mon fils Joseph. Say, my son Joseph est mon Élisée. Is my Elijah. Mon fils Joseph, my son Joseph est l'enfant de la promesse. He is the son of the promise. Vous devez vous réjouir. You have to rejoice. Si on avait beaucoup d'argent, if we had a lot of money, on fait la fête. We had a party. On va faire une robe. We're going to have a robe. On les renvoie. And we send comme it à sa naissance. As in his birth. Nous les renvoyons. We send it que Joseph, that Joseph, nous sommes heureux. We are glad que tu accomplis la prophétie. That you fulfill the prophecy. Quand nous te voyons, and when we see you, nous sommes sûr sure que tout ce que frère Branham, that all that Branham a dit aussi, said, c'est ça ma face. It is my end. Pas seulement lui. Not only him. Si nous voyons les souhaits s'accomplir, if we see the wish taking place, tout ce que Branham a dit, all that Branham said, au sujet de nous, concerning us also, comme étant l'épouse, being the bride, soyez sûr, be sure que cela est en train de s'accomplir. Also coming to pass. Aujourd'hui, today, cette écriture the scripture est accomplie. Is fulfilled. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Lève nos mains. Let us stand up. Les nations se disloquent.